Okay. Bonjour, comment il se prononce le jeu? C'est quoi? C'est Pharmacon C'est pharma. Enfin, la prononciation, je sais pas, mais pas? Ah, moi j'ai toujours dit Pharmacon, pharmacon, peut-être que c'est Pharmacon. ouais. Tu vois. Je sais pas. Je pense que c'est à la possession de chacun. Je dirais Pharmacon, perso. Je pense aussi, ouais. Peut-être te faire mes connes. Mais non, ça a pas sauvegardé le titre. Si. Mais pas sur mon tweet. Bizarre. Bon, bah je sais pas, on lance. Je sais pas, là où je le vois connecté, mais il est pas. Il est pas là. Bon, sur le premier. Attends. Ouais, si, c'est ça. J'attends sur la première et sur la première phrase du coup là. Ouah, je suis encore à. J'avais le compte titre. Ça change pas grand chose, ça. Pas spoil. Ok, bah, je suis sur l'écran titre, je vais me mettre en français afin de traduire ce soir. Je peux aller voir dans les settings s'il y a. Non, il y a juste l'écran. Ah, par contre. Ah, c'est bon. Faut que je vérifie quand même quelquefois que j'aurai des chutes de traits. Sinon, ce serait chiant. J'espère qu'il n'y aura pas de chute de bitrate ou de coupure brusque, mais je suis un record local également à côté. En tout cas, la musique de l'écran titre, ça te met un peu dans l'ambiance et je vais te lancer dans l'inconnu. Un truc bizarre, je sais pas. Ouais, c'est vrai que. Ouais, je sais pas si c'est la musique du coup, mais. Je sais pas comment il a fait pour. Enfin, s'il a fait lui-même la musique ou si genre il a trouvé quelqu'un ou il a trouvé ça, je sais pas. Alors la Dans les musique, crédits. est-ce que c'est marqué? Ah, dernier, Je crois peut-être dans les crédits, mais je suis pas allé ouais, dans voir. les crédits, mais je suis en train de regarder et je Ah, vois pas de. musique de Yannick ou Yannick Robben. D'accord. C'est marqué où? Dans le crédit, c'est, tu sais, genre tout au-dessus. Ah, c'est parce que c'est marqué en grand que j'ai pas vu. Je sais pas si mon Terrible. stream il s'est lancé ou pas, c'est Attends, je vais voir si tu veux. Parce que soit ça met 20 milliards d'années, pourtant je me suis pas trompé de scène donc, enfin de profil, c'est un peu bizarre. Hop. Attends, j'ouvre le caviar, ce sera plus simple pour vous de savoir. Ouais, c'est vrai que là j'ai trois streams à côté à côté. Alors. Bah si, moi je vois. Ouais. C'est bon.
Premier lancé. Attends, par contre, je vais l'enlever parce que sinon je sens que ça va drop. Ouais, Hop, souvent regarder hop. des streams et stream en même temps, ça se met mal. Allez. Bah on lance, hein, parce que sinon on n'est pas près de... Ouais. Attends, par contre, je vais l'enlever parce que sinon... Go, go, go alors. Voilà. Attention, moi je commence sans tuto, Oh, bien sûr. Ah, on est fou. ah bon? Ah non, moi Tu je fais le commences sans tuto, je le tuto? connais pas du tout. Ah, je suis. Non, quand même pas. Vas-y. Alors, au moins, il y a un... on Ok. sait qu'il y a de l'auto-sauvegarde. Bah, c'est une petite phrase qu'on voit pas forcément. Mais tout en bas, progression will be saved automatically. Ouais, d'ailleurs, vous pouvez mettre en français en cliquant sur le petit FR en tout quitter. Ouais, j'ai vu. Au moins, ça, c'est cool. FR, déjà fait. On va Tu peux aussi commencer. mettre en fenêtre si tu veux, mais bon. Ouais. Par contre, j'ai pas réussi à le remettre en plein écran, moi. Mais enfin, je lui ai remonté un truc. Ah, genre, tu peux juste mettre en fenêtré, mais si t'as mis en fenêtré, c'est fini. Bon, bah, en tout cas, j'ai pas réussi à le remettre en plein écran après. Ok, bah, je. Ouais, je sais Ouais, je viens de pas. Ok. lancer de mon côté. Alors. On a le commanditaire. Moi j'ai atterri là, déjà. Agent Et 107, par vous êtes exemple, là je décédé. vois, Ah ouais? moi je suis élémentaire apparemment là. Et genre vous, c'est pareil, vous êtes tous terre ou Attends, moi la première fois j'étais de la glace quand j'ai testé. Et là c'est de l'eau. Là je suis élément eau. Ah, ouais, donc Moi c'est je sais pas aléatoire. encore, je suis en train de lire le commanditaire. Alors donc, agent 107, vous êtes sélectionné par Fusion Dynamics, le fournisseur de drones de votre faction Feu. Donc je serai feu apparemment. Ah, t'es feu toi. C'est ça. Ah, j'aime bien tout ce qui crame, Alors pardon. que moi, il faut que je défonce des bêtes nuisibles qui utilisent Ok, l'élément donc feu. comment? Pour accomplir une mission de priorité maximale. D'accord, donc ça. Ok. L'activité élémentaire anormale a été détectée sur une île non répertoriée. Ah, déjà une petite faute. Et Ah, du coup, c'est. je Ouais, même il y a pas pas mal fait de RNG même dans l'histoire. Enfin, je sais pas si du coup l'histoire elle est un peu random ou quoi, mais. Une idée. Allons-y. Alors, dans notre base de données, d'après nos informations, il s'agirait d'une meute de bêtes nuisibles utilisant l'élément glace. Ouais, bah d'accord, si, ah bah, si on suit la logique, je suis feu, ils sont glace, je vais les fondre. C'est la logique. Ah bah ouais, je Ouais, pense ça va faire aussi. des petites flaques d'eau. J'ai l'impression que Ouais. moi c'est pareil, là. Je suis contre des bêtes électriques, du coup je vais les déglinguer puisque je suis seul. Ah, ils sont déjà mis sur l'équipement L'équipement. nécessaire. Mallette Ouais. fournie. Alors Cet équipement utilise des évidemment le seul pièces. emblème de notre faction. J'adore. Cette phrase est juste mythique. On peut Comme notre attaquer une aimant bête par l'avant, feu. l'arrière, la droite ou la gauche. Alors, on est Ah, c'est aimant. cool ça. Donc si j'attaque là. Alors attends. Ah, il faut que je mette les pièces, Ok. Tetris. Ah ouais. Atterrissage sur l'île. Continuez. Ok, j'ai pris. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois cliquer là, c'est ça? Alors donc Comme voici donc l'île non ça. répertoriée. Sans plus Ok. d'informations, je me dois d'être D'accord, prudent. j'ai des jauges. Équipement fourni par Fusion Ok. Dynamics. Oui, c'est bon, j'ai compris. Ah, je dois cliquer là. La mallette fournie contient 6 pièces élémentaires utilisant les D'accord. propriétés chimiques et fini d'accord. Donc là, Ce par nouveau. exemple. Ok. D'accord. Ok. Oui. L'absence d'une pièce Putain, mais je fournie. peux pas bien tétriser mon truc là. Pas évident. Allez. Oh, tant pis. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah, du coup, ouais, je comprends mieux pourquoi tu parlais de Tetris. En vrai, il faut faire le Tetris dans notre espèce de drone qui est entre guillemets une sorte de mallette, si j'ai bien compris. Bah, je pense qu'on a le Voilà. drone et à côté on a la mallette avec les pièces. Ouais, c'est ça. Je comprends bien. On bat 25, 20 et Pour l'instant. 16. Je vais me faire taper après. J'ai pas envie de me faire taper. D'accord. Ça, c'est parti. Alors. Ok, donc là. Ah, attends. Je vais pas tout. Voilà. Il n'y a pas un monde où je peux réussir à mettre une pièce de plus. La puissance du Donc là. drone a augmenté en tata tata. Ok. Ça, les puissances, c'est donc J'attaque opération. lui. Bon, bah, Ah, moi mais ça j'ai c'était con. tétrisé, donc allons-y. C'est con ce que j'ai fait. Fichier de révision. Vous avez Ok, mieux que vas-y, je fasse pof. comme ça. Voilà. Ok. Putain, j'avais l'impression d'avoir trouvé un truc mieux la dernière fois. Alors, je veux. Alors, nom a-t-il taille grande, rage aucune.
Non, je sais RH, c'est quoi, c'est un truc, à mon avis, une interaction d'état bénéfique, genre... Il va se vénère, il va te casser la gueule. Ouais, la rage, je crois, c'est genre... Ah bah voilà, c'est beaucoup. La rage, c'est genre, tu le tapes un peu, ouais. Et du coup, il est fâché. Et du coup, il te tape. Voilà. Une bête est corpulente et plus à force de sa taille, crise d'être puissant. Une petite bête peut afficher un dégât. Ah, merde. Non, d'accord. Attends. T'as qu'il faut remettre, je peux remettre. Taquinette. Oh, ça a marché, je suis trop fort. Sinon, ça te fera. Alors, comment on fait pour cibler? Ah, merde. Bah, c'est bon, il m'a rien touché. D'accord. Allons-y. On n'est pas obligé de. Oh, j'ai mis 20 points de dégâts. Déjà. Donc là, il y a des jauges, je sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant. Ah, les bêtes attaquent le droit uniquement si on les attaque avant. Les jauges en haut là, de collecte de données machin? Ouais. Jauge de réparation, ils indiquent la quantité de compétences. Je sais plus comment on les obtient, mais ça permet d'avoir des niveaux, je crois, un truc comme ça. Okay. Ça s'emplit vite. La rage du jet augmente. Ok. Lorsque c'est bien un dégât collatéral. Ah oui, quand on les tape sur le côté. D'accord, oui, en fait, ça. Donc, ce qui est expliqué, je dirais, juste avant, en gros, ouais, c'est pour entre guillemets, te redonner des points de vie. Sont les éléments, je crois, de ton vaisseau. Donc, par exemple, si t'as dominant de feu, si t'as des pièces feu, ça te redonne Ouais, et tu peux aussi détruire tes pièces pour te redonner des jauges de réparation, j'ai vu. Mais par contre. Ok. Allez, une petite pièce cool. Qui traîne. Tac. Oh, salut Little Mind, ça va? Oh, mais ils sont trop éloignés là. Donc là, logiquement, l'idéal, c'est d'appeler lui. Comme d'accord, ça. T'as pris sur la meurtre. Tu récupères. Oh. Non, lui il a pris que 1. Après, ouais, je suis comme ça. Je pense pas qu'il te fasse des dégâts. Oh, trop fort. Entre ma jambe, passe plus de temps à réparer 4 et bon, il tente de lui traîner sa tête. Soulbait! Il va me taper, tu peux pas le one shot, salaud. Ouais, j'en ai pas de putain. Allons-y. Ouais, mais. En fait, au bout d'un moment, je pourrais plus. Je pourrais plus réparer le truc. Ah, si t'as plus. Mais oui, je crois, ouais. Parce que. Après, t'es obligé. Tu peux sacrifier des pièces et okay, t'obtiens alors, le des points de réparation, mais. Là, du coup, c'est 24 données. Donc, moi, je suis élémentaire. Ça, ah, c'est le. Ouais, mais il y a une vieille limace qui est en caillou là. Pourquoi elle est là? Ça fait. Moi, je sais pas, moi je suis. Ah, d'accord. Donc là, je l'ai bloqué. Parce que lui, ça va lui foutre la rage aussi si je balance le truc. Capture de personnage, flash la cible de contrôle. Ah, c'est pourquoi je veux faire. Parce qu'au mieux, je lui fais 10. Ça. Elle est à 16. Si je... Elle, je peux la tuer, mais elle va pas faire. Comment ça fonctionne ça? Elle va faire un dégât à elle. Il faut utiliser ça, je pense. Ah, 4. Ah, bah non, mais c'est pas assez. Moi, je suis bien niqué. Je vais encore me prendre un vieux dégât, voilà. Ouais, mais. Ah, c'est vrai que je m'en fais chier. Hop. Et oui, c'est une mission pas vraiment de tour. Il faut le. D'accord. À chaque fois, il faut le sélectionner donc. Mais pourquoi est-ce qu'il a repris de la vie? Ce qu'il a envoyé à la base de données, merci. Ok. Ouais, c'est quoi? Des Iggy. Et des Elbrick. Non, juste je profite des streams de Ziwi et Sabier, c'est que si moi il n'y a plus d'image, c'est normal, je vais te faire un petit reboot. Strat. T'as un problème de. On va le placer là. Ouais, ça drop. Non, c'est bon. Je fais des réglages non, YOLO, ça passe. Hop. Merde, il a pris que 3 de dégâts. Et voilà. Ah, oh, il a pris que 1 dégâts. Je crois que ça passe mieux. Allez, crève. Mais si lui, je peux le tuer. Alors. Je peux le faire exploser auprès de lui, et du coup, je pourrais tuer lui. Je peux pas tuer lui. D'accord. Mais quelle angoisse. Ah, si, je peux peut-être l'envoyer dans son pote, du coup, il va prendre un point de dégâts. Oh, c'est tellement magnifique. Et du coup, il est vénère. Pourquoi il m'a fait deux coups? Oh là là. Ah, là, c'est le moment où on n'est pas content. Donc là, je peux pas sélectionner un autre truc. Du coup, si je veux pouvoir remettre une pièce là. Pourquoi il y a un 7? J'ai plus cassé. Ah, d'accord. Okay. Elle rapporte tous autant. J'ai cassé celle-là. Du coup, je vais peut-être. Je vais faire ça. Pouf.
16. Ah putain, il m'a retiré une pièce. Et tuer lui. Ok. On a 10 salut points. Les gars. Salut. Ah salut. Ah, salut là. Alors je suis en train, enfin je mange en même temps. Je vois que vous avez commencé un peu plus tôt. Bah non, on a commencé à 20h30. Ah. Moi-même ouais. Un petit peu après 20h30. Ah mais c'était 20h30. J'avais cru que c'était 9h en fait. Ah, c'est pas si grave, t'inquiète pas. Du coup, bon, allez, on a le difficile choix de vous choisir entre tous les trois le stream que je vais regarder en premier. Ouais, c'est bon. Tu peux pas avoir les trois. Ta connexion elle permet pas d'avoir les trois streams. Comment, avec un multi, c'est ça? Ouais, avec le 4 gars. Ou... Alors, je vais essayer de faire ça parce que j'ai pas l'habitude de le setup. Alors, mais attends, on va te passer le. De toute façon, j'avais envoyé le lien sur Discord. Je te l'ai mis dans le même balai. Ah ouais, je vois. Merci. Alors, la conduction, c'est bien. Oh, mais... Persistance. Pièce égarée. Conduction... Paralyse. Paralyse, j'aimais bien. Ouais, paralyse. D'accord, on a des pièces égarées. Est-ce qu'on peut... Ah, on les récupère. Prends ça. Bien. Et ça, à chaque fois qu'on active une barre, on récupère un truc, c'est trop bien. Allez, one shot. Okay. Du coup, plutôt content. Paralysie. Ouais, c'est ça, moi, que j'ai. Ok. Donc, on a un Elbrick, des Iggy, un Philips, un Philisbe. Et Atti. Un Philisbe, ouais. Oh, tu meurs. Faut savoir que Philisbe, c'est un. c'est un délire de. Alors je sais pas d'où ça vient, mais j'ai plein de potes qui allaient dire Philippe. Ah mais si, mais c'est Philippe, je sais où tu te caches. Man le cobra. Oui voilà, c'est ça, mais je sais pas d'où ça vient ce truc. Je connais l'excès, mais c'est je sais pas du film Hitman le cobra justement. Qui est un AV de haut niveau. Ouais. Voilà. D'accord. T'inquiète pas, le film est chiant à mourir. Mais non. T'as une la compilation de Philippe ou un truc comme ça sur YouTube. Ça dure 10 ou 11 minutes, tu regardes ça, t'as kiffé tout le film, hein, c'est bon, monsieur. Le reste, c'est une embrouille avec le Japon, etc. C'est nul. Mais pourquoi il s'est vénère, lui? Alors, il y a des trucs que j'ai pas compris. Du coup, on casse ça. Alors, apparemment, il faut que je mette le mumble ici parce que je reconnais pas encore vos voix. J'ai pas le tuer. Oui, c'est vrai. Ouais, moi, c'est Sablier. Ouais. Et moi, c'est Zigoui. Ok, bon Zigoui, je connais ta voix, je te stalk, très bien. Allez. Il est connu Zigoui, attention. Vandal aussi, je te connais Sablier, je t'ai un peu moins entendu parler en fait. Ah merde. Alors, c'est nous qui faisons le Twitch game, ça déconne pas. Le Twitch game de Vandal. Allez, et lui là il a la rage, et ouais, mais il m'attaque pas, du coup c'est cool. Enragé. Alors, Vandal, t'es là. Cool, je peux choisir un nouveau truc. Donc. Vous êtes à quel niveau tous là? Parce que c'est trop petit en fait que je puisse voir. J'arrive au 8. Moi je suis au combat numéro 5. Okay, je dois être trop 9 ou 10 là, je sais pas. Okay, oh, des petites pièces au-dessus de l'inventaire en fait, des pièces. Ouais, mais c'est parce que là je suis en train de faire Ah oui, je vois, ouais. Les lasers, ouais. Ok. Est-ce que c'est mieux ça? Là, je suis plus fort contre l'eau, le feu. Mais il n'y a pas d'eau en face donc c'est nul. Ah non, je vais choisir ça mais je peux pas. Ah! Si. Je peux tuer ça, l'envoyer entre les deux peut-être. Ah, et je peux enlever ça pour en mettre un autre. Genre si je veux ça plutôt. Ah, trop bien. Ok. Bah, c'est bon. Normalement, si je fais ça, ça me. Ah, mais je suis. Là, c'est de la glace, ça me servira à rien, la glace. Lui, j'ai paralysé et je vais l'envoyer en haut. Pas qu'il m'embête. Ensuite, je vais taper de l'huile. Là, comme ça. Ouais. Il vénère, mais c'est pas grave.
Je sais pas précision. Alors... il a un peu de rage aussi. Ça fait quoi déjà? Il va mourir là. Ah mince, ça fait la rage à lui aussi. Ah bah ça va en fait. À qui ça fait la rage, tu dis? Oh là là. Eh, je pensais pas que ça allait faire des dégâts d'explosion en diagonale. Ah. Mais en fait, ça va, il a eu la rage au max, mais il m'a pas tapé. Ouais. Ah, par contre, ça a pas marché. Et j'ai plus de calibrage, tant pis. Ça fait mal. Mais c'est pas possible. C'est mon MC. Ah, j'aurais dû. Ah, oh, j'ai un deuxième truc. Il y a moyen que. Non. Je pensais pouvoir décaler. Mais... je prends ça, histoire d'avoir les 4 éléments disponibles. Là, c'est le mieux, mais. Voilà, je viens de finir le combat. Dit. Hop, je suis envoyé là-dedans. Pas mal, là, c'est pas mal. Tenu tranquille. Allez. Là. Ok. Bien. Sur un peu la rage, je sais pas si. Si lui, du coup, il va prendre deux niveaux de rage ou un seul. Ok. Oh, c'est l'angoisse. Et tiens, du coup, petite question. L'élément qu'on a au début, il est décidé aléatoirement ou. Ouais. Ouais, la faction de départ que t'as, c'est totalement aléatoire. Et ouais. Même les formes des pièces aussi. Enfin, y a une règle qui cantonne un peu les pièces que tu as pour pas en avoir, par exemple, 4 pareilles. Mm-hmm. Histoire que ce soit pas trop pourri à placer dans le drone, mais sinon, ouais, c'est aléatoire. Et du coup, c'est également aléatoire les factions qu'on va affronter. Mais ça fait 2, donc c'est de la merde. Selon certaines règles, il y a des moments où tu te retrouves avec certaines pièces qui dépendent de ta faction ou pas en fait. Mais enfin, c'est. Si je commence à en parler plus en détail, je vous dis comment la génération procédurale elle fonctionne et du coup, je vous donne des clés peut-être pour avancer un peu plus vite. Ok, faut pas être je préfère vous laisser galérer quoi. Bah oui. D'accord. Non, c'est juste parce que ça c'était une question. Ok. Voilà. Ok. Mm-hmm. Ah oui, je m'absente 30 secondes. D'accord. Et ils sont pleins encore. Qui c'est qui dit qu'ils sont pleins là? Enfin, ils sont pas pleins, mais ils sont 5. Mais okay. Moi, je suis fort contre le feu, il y a 0 mecs qui font du feu. Je suis perdu. Effectivement. Ah bah, mais non, parce qu'il y a de la foudre, du coup, la foudre, c'est encore plus pourri. Oh putain. Attends. Je vais rattaquer, là. Mais si je lui fais 5, ça lui fait rien. Je suis au combat 12, ça devient un peu chaud. Je peux le tuer. Mais non, ça va passer. Oh là là là. Au pire, tu meurs. Je pense qu'il faut pas mourir quand même. Bah, dans l'idéal, oui, c'est sûr, c'est mieux. Mais bon, après, je sais pas à quel point c'est. Enfin, ça fait tellement longtemps que je joue au jeu que du coup, je me rends plus compte. Si les gens ils vont mourir vite ou pas. Salut Kouchas. Putain mais quelle. Je peux réparer mais je m'en fous de réparer ça.
Ok. Putain, mais... Ouais, maintenant que... Ok, attends, je vais faire comme ça. Ok, je peux faire ça. Attends, j'ai peut-être vendu un peu trop de pièces. Salut, salut Velstraza. C'est... Salut, ouais. Et paralysie... est-ce que c'est intéressant? Non, pas trop. Oh là là... Comment tu les dégages, one shot? Que dalle. Ah, quoi que... Ah. Non, ça marche pas. Oh si, ça marche. Ah mais... Ah, je pense que c'est... Ah, je suis mort. Oh. Qui ça? S'habiller. Ouais. Ouais, j'ai vu que depuis un petit moment, t'avais pas mal de dégâts, pardon. Ah, j'ai même pas capté qu'il y avait une barre de vie, en fait. Ah, mais je reprends du dégât. Ah oui, il y a la vie en bas, là. Non. Non, j'avais pas fait attention. Ah non, mais pourquoi j'ai que des trucs de glace? Ah, parce que t'as... Est-ce que t'as lu le texte qui est en rouge? Non. Et voilà. Ah. J'ai lu entre les lignes, j'ai vu que j'allais ressusciter, quoi, c'est tout. Non, en gros, ça envoie un nouvel agent à la position où t'étais. Mais c'est pas le même, la même faction, donc c'est pour ça que j'étais surpris. Du oui. coup. Mais c'est... Bah du coup, le fait que tu sois surpris est voulu, on va dire. Ok, les événements ont été ajoutés dans la base de données. Un agent a répertorié 12 bêtes d'âme. Ok, mais du coup, je ne peux pas faire ça. Oula. Il est chaud. Et oui, ton stream il est figé ou c'est le jeu qui est planté? Normalement, non. Enfin, ah, non, il a dû. Non, tu dois être sûrement sur une autre fenêtre et ça s'est mis en pause. Ouais, il y a un moment aussi où j'ai un peu arrêté parce que je. Ton stream il est figé ou c'est le jeu? Ah oui, bah, ça doit être ça sûrement. Non, après, c'est juste pour savoir si ça avait planté ou pas. Non, non. Enfin, normalement, ça va, j'ai pas de. Et non, je suis pas hétéro, ça c'est pas mal. OBS me dit que ça va bien. Mais je me sens pas bien là par contre. J'ai même pas vu, alors mec, voilà. Vous en avez tout du coup? Là j'ai fini le combat 13, je crois. Ou alors j'arrive au combat 13, je sais pas trop. Je vais plutôt prendre. Ça pour avoir. Ouais. Moi je suis au combat 7, au moins ça se passe plutôt bien. Ah, on peut avoir que. Oh! Mais pourquoi? Oula! Déboîte la gueule. Si vous voyez des trucs un peu suspects. Mais y a des fois, il y a les lasers, on peut les faire passer au travers d'autres lasers, et il y a des fois, on peut pas. Oui, c'est parce que les lasers sont. En fonction de leur type, ils ont une influence sur les autres lasers. Et du coup, le laser le plus dominant sur un autre type le coupe, et les plus faibles sont les plus puissants en fait. Ouais. Par exemple, entre l'eau et le feu, tu vois, ça. L'eau coupe le feu, et le feu s'arrête sur l'eau. Mais le feu n'est pas handicapé par les trois autres en fait. Donc c'est une sorte de puzzle pour faire tes compétences. Pas mal. Par contre, on manque là. Ce combat va être angoissant. Oh putain, Non mais ça c'est nul ce que j'ai fait. J'aimerais bien mettre une pièce là. Je relance ça. Ah, c'est des trucs différents. Et. Ah ben, j'en ai deux pareils, donc je peux bien en sacrifier. Mais... Il me faudrait. Attends, c'est lequel qui manque un violet? Ce violet ici. Ouais, mais ça, non, ça va être son chaussure. Ah, ouais. Oui, mais... D'accord, mais c'est pas grave. Ok, continue. Allez, là, 5. Je vends celui-là, tiens. Ça, si jamais j'en ai besoin. J'ai pas la main, hop. Okay. Ah, d'accord, j'avais pas tilté ça. Donc, bouton d'activation, on est là. On va activer le laser de fer. Par contre, j'ai
pas trop compris encore à quoi ça servait le calibrage exactement. Faudra que... Mais le calibrage, c'est ce qu'il faut pour les compétences. Ouais, c'est génial ça. Ah après, ouais. Je sais pas exactement comment il se remonte. Hein. Putain. Ouais, c'est nul, mon affaire, c'est nul. Ah, il fait trop mal. Hein. Non. Moi, ouais, j'avoue que je meurs d'envie de vous aider, mais je me retiens. Je me dis putain, ils sont nuls. Non, c'est pas ça, c'est juste sur les trucs que vous avez pas encore vus mais qui viennent avec, avec le jeu. Oula, ils sont trois, ils sont énormes, donc je vais pas taper dedans. Taper dans les grands. Ah là là, comment je peux gérer le truc? Je vais lui dans lui. Ouais. Je fais ça. Ça ne va pas, ça ne va pas. C'est bon. Ouais, non. Ah, je vais créer ça pour 2 PV, ça n'a aucun sens. Et paf. Je peux tuer. Bien mettre ça là, mais. Pas mon orienteur ennemi, ni. Ok. Ok. Ah non! C'était nul ce que j'ai fait du coup. Non mais attends, mais ah. Kersaist, Tetris, ça va. Hein. Mais là, c'est parce qu'on peut pas. C'est pas comme Tetris. Quand faut juste empiler des cubes, ça va. Là, faut réfléchir à ce qu'ils font et tout, c'est compliqué. Bon. Après, j'ai de quoi récupérer, de me réparer pas mal de la glace. Donc, c'est pas très grave. Peut-être. Normalement, toi, tu meurs. On va taper lui là. Ouah, j'ai pris 3 dégâts. Allez, c'est marqué, 3 dégâts. Ok, je vais un petit peu. Pouf. Là. Là, lui, de toute façon, il est vénère, donc attends ça, de taper. Moi, je suis ok. Oh là là, mais il y en a 15 milliards là. Ah, j'en ai un nouveau. Ok, ça va énerver lui, mais lui, il va mourir. Lui, il va pas mourir. La force. Putain, et là je peux pas me soigner parce que c'est de l'eau à la con et que j'ai rien pour l'eau. J'ai la foudre à la nuit, putain. Ah là 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 là. Non, mais si je casse la foudre, je fais plus de dégâts à l'eau. Je peux pas casser la foudre, du coup je peux pas me réparer. Ah non. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Mais non. C'est horrible. On va tuer lui, on va espérer que ça fasse assez de dégâts à l'autre gros là. Oh, ça fait assez, tu peux le tuer, nickel. Ouais, ça c'est de place pour ça. Il y a des lambeaux de vêtements ici. Allez, en deux tours. C'est l'uniforme d'un de nos agents. Ah, je crois que je vais bientôt mourir. Ouais, il y a les agents, ils laissent traîner leur slip dans la nature comme ça quoi. Oui. Voilà. Est-ce que ça va. Ah non, alors... c'est les rayons en bas du coup, ok. Ah, vous voyez un autre agent, d'accord. Ouais, oh, c'est chaud pour s'habiller. Ah bah c'était mort. Mais après la conduction, j'aime bien. J'aime bien. Ça, je veux prendre ça. Ouais, je veux prendre ça. Ok. Conduction. Alors, plus 10 points de dégâts sur chaque bête. Même type de cible. Okay. Oh, des petits. Des Barbie. Des Wabba et des Lisnel. Les Barbie, ils sont un peu rigolos. J'arrive pas à savoir si leur tête elle est là ou si c'est les deux petits points noirs leurs yeux. Et que ça c'est leurs cheveux. Alors attends. Parce que j'ai décalé avec le stream du coup. Les yeux c'est les. C'est pas les deux petits points noirs? Si, je crois, mais attends, j'essaie de me souvenir comment c'est foutu parce que là j'ai un tout petit sur le stream et là de mémoire j'avoue que j'ai un bug. Alors, où est-ce qu'ils sont? Mais là je vais me faire défoncer. Mais c'est pas possible, il me tape 15 milliards de fois. Au moins il y a un peu d'eau. Ok, je
même mettre la foudre pour être trop trop bien. Ah ouais, putain, mais je suis ouais, ça, je me disais, mais qu'est-ce que ça fait, je suis pas vraiment con. C'est une très bonne question. Ah, si on cumule les trucs, on n'a pas de bonus, mais de calibrage coûte moins cher. Enfin, ça coûte moins de points de calibrage. Oui, c'est ça. Je vais me faire défoncer. Hein. Une bonne chose. Plus 1%, 15, bonsoir. 19. Du coup, tu peux one-shot lui. Quelqu'un qui a dit bonsoir, je sais pas qui c'est. Ouais, j'ai pas. Non, mais il y a un coup chasse ici, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, ouais, c'est perdu. Voilà, ouais, venez faire des bisous. À quoi jouez-vous? Pharmacon. Tiens d'ailleurs, je sais plus si ça a été évoqué, la prononciation du jeu c'est quoi? C'est Pharmacon ou Pharmacon ou c'est comme on veut? Alors, J'ai pas vu. Moi j'ai l'habitude de le dire en anglais, du coup je dis Pharmacon, mais c'est vrai que j'ai des potes qui du coup parlent pas du tout anglais et qui disent Pharmacon. Et j'avoue que ça m'horripile un peu quand je l'entends comme ça, donc à vous de voir si vous voulez m'horripiler ou pas. Après, ouais, tu vois, si oui, bah, je savais pas, moi, je pensais à la française, mais si c'est Pharmacon, je dis Pharmacon, y'a pas de soucis. Évidemment, on pouvait aussi faire le jeu de mots, la Pharmacon et la Pharmacon, quoi. J'avais pas dû y penser. Voilà, je vous donne des clés pour vous amuser avec le nom du jeu. Mais non, mais faites comme vous voulez. Si vos amis préfèrent Pharmacon, Pharmacon. Si je tape le mec là, je vais me faire taper et je vais pouvoir me réparer et ça va être nul. Et si je le tape pas, de toute façon, ça marchera. D'ailleurs, attends. Oh, je tape plus. Faites défoncer la gueule. Oh, il a tapé un endroit où il y avait rien. Magnifique. Je fais tellement pas de dégâts. Ok, je peux tout réparer ce qu'il m'a fait. Parfait. Pareil. J'étais plutôt heureux. Ok, du coup, je peux tuer lui. Oui. Oui. Oui, magnifique. Ah non. J'espère que je peux encore réparer. Ah, je peux plus réparer. J'aurais pas dû réparer lui, du coup. Ah si. Enfin non, mais ça passe. Oh, quelle angoisse. Quelle angoisse. À chaque coup que tu prends, t'es encore moins apte à te soigner des coups d'après. Faire ça. Je suis plus que 5. Je suis pas sûr d'avoir soigné le bon d'ailleurs. Ouais, vaut mieux que je te paralyse. On va taper celui qui est énervé de toute façon et qui doit se prendre un voilà. Coup. Voilà. Ah, c'est compliqué. Je sens pas cette histoire. Ah, si seulement. C'est compliqué, Léo Mundo, c'est compliqué. Il faut réfléchir, mais des fois, il n'y a pas l'air d'avoir de bonnes solutions quoi. Coucou Baptiste, c'est la merde. Oh, non, on va faire de la persistance sur lui là. Parce que lui il meurt. Ah, j'avais peut-être même pas besoin. Il me reste 3, il a 5. Salut Mundo. Est-ce qu'il y a des dégâts en plus du prochain tour? Bon, on va laisser ça comme ça, tant pis. Hein. Est-ce que ça vaut le coup de me soigner vu que. Ah bah non, ah je peux tout mettre ici. Oh magnifique. Enfin magnifique. Oh, je peux le tuer. Comment se fait-il que je n'ai pas eu plus de détails sur la mission? Je sais même pas où je suis. Et les bêtes ne cessent d'apparaître. Non mais oui, on manque carrément d'équipement même. Allez, on n'a pas de raison. Sabli, t'avais commencé déjà un peu la partie avant le stream ou pas? Parce que t'es en avance vachement par rapport... Non. Alors que t'es mort plein de fois. Enfin, plein de fois, deux fois. Deux fois. Ça va, ouais, en fait, bourrer et mourir, ça paye plus, quoi. Désolé, j'ai... dès que ça passe à une quantité de 2, pour moi, c'est plein, là. En fait. C'est, tu meurs une fois deux, ou tu meurs deux. J'ai changé de zone. J'ai même pas réagi. C'était au combat combien, là? 17, là. Ah ouais. Bah, c'est la RNG, je suis sûr. Ouais, j'ai la RNG de mon côté. Qu'est-ce que j'ai comme truc? Okay, je vais faire ça. C'est trop bien, donc il y a de la glace et du caillou. Oh, et j'ai des trucs qui font rien à la glace et rien au caillou. Ah si, l'eau c'est bien contre la glace. T'es sûr? Bah 3 sur 4 c'est pas mal. Ouais, c'est ah ouais, ça va. En même temps, mets un glaçon dans l'eau. Franchement. T'as trop compris.
par contre, en jauge de réparation, il me faut de la terre, et j'ai rien pour faire des dégâts à la terre, donc j'ai rien pour réparer la terre. Là, logiquement, je le tue avec les dégâts d'Hercule. Ou alors je sacrifie ça pour soigner la terre. C'est bien utile. Enfin, non, parce que là, je peux tellement pas mettre de trucs, faudrait au moins que je puisse en mettre une là et une là. Ah non, bah non, je suis bloqué. Parce que ça vaut le coup de casser une pièce pour pouvoir libérer de la place sur l'échiquier pour faire la place de mettre la pièce que je suis obligé de casser. Non. c'est totalement nul. Ça dépend de la pièce. Mais là en fait le seul moyen que j'ai de mettre une pièce c'est de faire de la place en cassant cette pièce que je veux mettre. Ah oui non, ça effectivement, ça c'est nul. Ah c'est trop l'angoisse. Ou alors c'est que tu peux changer ton puzzle complet et peut-être qu'elle rentrera et que tu pourras sacrifier une qui est moins intéressante. Des fois ça arrive. Ouais, mais là je crois que je l'ai enlevé et qu'en fait ça me sert à rien du tout. J'ai fait la pire décision possible. Oh non. Non, Steam il fait une mise à jour. De toute façon le jeu c'est bon, c'est des décisions tricky tout le temps en fait. Allez, continuez. Du coup on pourrait vraiment sortir la phrase mais quelle erreur de décision de Mickey. Trop bien. Je vais décéder, je pense. Honnêtement. Ah moi je suis pas loin. Il me reste un PV. Et ça chiant lit un truc de fou. Ah t'es serait. Oh là 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 là. Moi je sens que je vais encore mourir là. C'est pas possible. Moi je fais tout pour survivre. 8. Il a 17. Après c'est de la glace donc c'est pas grave. Je peux réparer tranquille. Il me faut ça. On t'a plu avant que la rage. Tout ça quoi, pas la rage. Ah, quand même, le message de Game Over, il est cash quoi. Le drone, cet agent est détruit, il n'a plus aucun intérêt pour nous, en gros, dégage quoi. Bah, le drone est cassé. Mais oui, du coup, il casse le drone et il tue l'agent quoi, les salauds. Ouais, c'est abandonner-le, envoyer un autre agent. C'est... Bah, il. Enfin, le mec tue pas l'agent, mais c'est. L'agent, bah, il a plus ou moins une défense, du coup, il crève quoi. Parce qu'il est dans le drone. Mais non. Si. Non, c'est juste qu'il a son drone à côté de lui, il se balade avec, il défonce les bêtes, sauf que. Ok. C'est que c'est pas vraiment précisé dans le texte, mais. Bah, quoi que là, dans mon écran, il y a un peu un mec, j'avais pas fait gaffe, mais il a l'air d'être un peu baigné dans son sang, quoi. Lui, je pense qu'il est décédé, le pauvre, le monsieur en vert, là. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais. Et non, Béromondo, on peut pas faire pivoter les pièces, et ça rend le truc un peu. C'est dommage. Du coup, c'est faux réfléchi. Et, voilà. Et là, ça va être l'angoisse parce qu'il va me faire du dégât de terre et je peux rien faire contre la terre. Et donc, c'est l'angoisse. Là, je suis passé. Après, je peux enlever ça sert à rien de toute façon comme pièce. Est-ce que j'ai réussi à le tuer? Je pense pas. Ah, du coup. Oh, mais je vois une shot. Les... Voilà. J'ai mal. Non! Je suis mort. Je suis dégoûté, j'allais gagner. J'avais ma strat en tête là, j'étais bien. Ouais. Mais sauf que je suis mort. C'était le truc. J'essaie de le faire tomber dans les cailloux mais ça veut pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux casser ça pour réparer ça et mettre ça et refaire deux dégâts. Et allez, hop, et il me reste un point de vie. Et je peux faire ça. Comment je suis censé. Persistance sur le. Je peux placer que 4 pièces. D'habitude, je peux au moins en placer 5. Pas d'habitude. Je dis ça comme si. C'est évident ça. Ok. 42 bêtes quand même. Alors. Oh, je suis la glace maintenant. J'étais pas la glace. Ouais, j'en avais tué 66. Je suis passé électrique. Je suis passé terre à nouveau. Mais du coup, j'ai pas envie de prendre autant de trucs. J'ai envie de prendre. Foudre ici. Donc là. Et le. Comme je suis faible. Feu ici. Bah, j'ai trois trucs. Ah bah oui, j'ai trois trucs en fait. Je très bien. Très bien, très bien. Okay. Non, mais là on va voir. Toi, tu devrais mourir si je fais ça. Est-ce que la glace est fort contre l'eau? Pas trop, hein. Ouais, y a de l'eau partout. Je suis bien content. Pareil, tu meurs. Pousse. Oh là 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 là. En plus ils font des attaques groupées hein, ils sont pas trop cons.
Ah mais s'il n'y a pas moyen de faire mieux. Là, tu meurs. Je suis un peu fou quoi. Oh là. Non. Non, il n'y a pas vraiment moyen de faire beaucoup mieux. Si, peut-être. Eh mais du coup, ça suit vraiment l'histoire du début, je veux dire. Puisque je suis à nouveau de l'élémentaire et... Comme oui. Si j'avais... J'étais jamais mort, en fait. Ok. Enfin, par rapport à l'histoire, hein, je parle. Ouais. Alors, Ok. Non, mais ça monte, ça descend pas à 5, je pensais que ça allait descendre à 5. D'accord. Peut-être que j'ai mal compris, j'ai mal vu, surtout. Et mais là, je suis fort contre la terre et la foudre, et maintenant, c'est plus des trucs... Ah, il y a encore de la foudre, mais il y a de l'eau, et c'est... Ah, j'ai envie de et donc là, comment ça se passe? Ah, j'ai à nouveau le droit à un nouveau truc comme ça. Ah, ok, mais... Je te one shot. Non, moi, je veux un truc qui fait des dégâts à tout le monde et que c'est partagé. Oh, du calme. Pas évident. Du calme. Bon, donc là... Je pense que je dois me permettre de soigner ça. Ça là-dedans, tac. Il est pas mort? Ah, oh, je pensais tellement qu'il était mort. Ok. Du calme. Ouais, 4, okay. Le plus calme possible. Et salut Choups. Coucou. Bonsoir. Oh là là. T'as perdu ton H voilà. Ah oui, j'ai mis Choups, merde. Ouais, là, je me dis Choups, elle fumait trop, hein, du coup c'est... Bah ça a Choups. On dit plus ça a coupé, bah ça coupe. J'hésitais à faire lui pour lui, pour mais ça revenait au même de toute façon. Putain, mais là je suis les gars si je. Pas évident. Ah ouais. Non, mais il y a des moments de l'angoisse totale hein, où le groupe en face, tu sais juste pas du tout comment tu peux lui. Faire des trucs. Allez. Oh la 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 la. Et pam. Des explosions de ouf que j'ai faites. Si je peux en rajouter un là comme ça. Je m'en fous là. Là. Ah, j'étais là genre 107, je suis passé à agent 5. Oh oui. Ah, mais c'est quoi ce bordel? Mais non, mais par contre, non, mais en vrai, il y a un mec de glace et moi je fais 0 à la glace. Bah, moi j'ai le même problème avec un mec de terre là, je fais 0 à la terre. Mais j'ai fait plein d'explosions tour hier. Ouais, j'aime bien. Ah ouais. J'envoie le signal de soutien à la base. Pas de signal. J'ai pas pensé à ça. Faut que je fasse ça. Merde! Faut que j'arrive à l'envoyer. En vrai, y a un peu cette petite part d'humanité. Mais, ah, je suis dans la merde, répondez-moi, y'a personne, fais chier. C'est pas mal. Allez, allons-y. Exactement. Je vais tellement mourir. Halt, quel que soit votre âge. C'est fait un petit oh là là. Réparation. Là, par contre, je suis dans la merde. Ah, pourquoi il me fait rien? Rage aucune, il s'en fiche que je tape. Ok. Ah, il s'en est pas foutu, moi. De quoi? Du coup, oui. Bah, alors, je sais pas, moi j'ai tapé sur un mec et il a pas. De quoi? Il m'a pas. Il m'a pas retapé dessus. Ou j'ai pas vu. Mais... Bah, quand tu tapes sur un mec, ça augmente pas la rage en fait. Bah, ah, oui, mais je pense. Il y a la contre-attaque de. Ouais, il y a pas eu la contre-attaque. Est-ce que t'as pas mis. À moins que j'ai peut-être mis la paralysie. Je sais peut-être ça, hein. C'est possible que j'ai mis la paralysie, parce que je voulais la mettre en plus, je crois. Hein. J'ai peut-être un décalage, je peux peut-être le voir. Je regarde si j'ai... Ah merde, ça a coupé. Ah non. Ah non, me dis pas. D'accord, je te le dis pas. Ah non, me le dis pas. Bon. Il faudrait que je casse des pièces pour 40. Je pense que l'idéal c'est de faire comme ça. Là on pourrait la tourner, je serais content, mais on peut pas. Allons-y. Aïe aïe aïe. Oui, bon, on garde comme ça, c'est très bien. Ah merde. Mais voilà. Mais du coup. Il y a encore Jean-Michel là, que je peux rien faire. Oh, et lui je peux lui faire que 4 au mieux. Il y a deux mecs de foudre. On va faire comme ça. Donc, si je casse ça, je peux faire comme ça. Ok, comment je peux me démerder?
coup je fais 4 à lui. Ah bah c'est tendu hein. Déjà il faut que j'envoie lui près de lui parce que lui je peux pas lui faire de dégâts. Désagréable, vous êtes désagréable. Ah moi je ça va, je suis jeune. Ouais mais là il y a des trucs là ils sont pas. Les ornithriques ils sont. Non, c'est pas très très gentil. Rival recruté par Fruit System. Pourriture! Mais je t'ai rien fait. Alors. Ouais, si, paf. Je peux même pas me soigner là, c'est horrible. J'ai toujours pas compris sous quelles conditions on obtient des pièces. Ça ou pas, on m'avait piégé. Mais je crois qu'elles sont de temps en temps et. C'est tout. Ah, putain. C'est ouf. Ah, au moins, le langage est très cru, quoi. Ne vous foutez pas de ma gueule avec vos histoires, quoi. Un type, quand il est vénère, c'est pas moitié, en général, c'est. Oui, vos colibés, ça suffit. Non, c'est te fous pas de ma gueule, hein, je te tape. Mais c'est je pas mal. Je manque de. Je manque de. Et sa mission, nettoyer le secteur, mon cul, avouez. Ah, vous avez dû vous faire plaisir, là, sur les lignes de dialogue. Ah si, ça marche. Oh là ça là. Marche vite fait. Du coup, il va mourir. Mais non, mais non, mais non. Ouais. Bah, je à un moment, en fait, encore. Les gens trouvaient que c'était trop formel en fait en restant avec des dialogues formels du coup qui étaient passe-partout. Et du coup, en fait, en fonction de l'évolution de l'histoire, t'as le ton qui change en fait. Du coup, justement, le type, ça le fait de plus en plus chier, etc. Il devient plus vulgaire. Ça. Voilà, c'est plutôt cool. T'as une évolution de ton perso également. Ça, j'aime bien. Ouais, puis ça fait un peu réaliste, quoi. Les mecs qui s'énervent et qui pètent bon. Un câble. Encore. Surtout que là, vu les situations dans laquelle je me retrouve, si c'était moi. Attention, je suis énervé, hein. Bande de malotrus. Non, mais c'est je vais réussir à le tuer, l'autre glandu là-bas. Il va sans doute me tuer après l'autre, du coup. Je sais pas si vous avez vu cet extrait d'émission où Philippe Hitchfebest il demande à un mec de s'énerver parce que le mec il est totalement totalement amorphe. Et le mec il répond oh, c'est pas bien. C'est pas bien de s'énerver, hein. Ça me fait penser à ça. Mais vénère-toi là. Mais attends, le Philippe Hitchfebest c'est pas le cuisinier qui a pas de sourcils ou un truc comme ça qui est entièrement chauve. Ah, ça c'est parce que c'est pas bien de faire tomber les cheveux dans la soupe. Allons-y. Non mais là c'est quand même vraiment l'angoisse hein. Ça fait deux fois je crois que je meurs sur le même combat. Mais peut-être... Ouais c'est ça, deux fois. Ah nickel ça. Calmez-vous. Parfait. Après on va voir, précision, paralysie. Bah ouais, t'as pris cher. Paralysie. Persistance. Hop. Un de la paralysie aussi. Je savais que c'était. Mais bon, ça économise que 1 alors ça va pas beaucoup m'avancer cette histoire. Surtout si je tombe encore sur des mecs. Ah non, là ça va. Il y a que le mec en feu qui est un peu chiant, mais c'est des types que je peux à peu près taper. Vraiment. Voilà. Ouais. Espérant qu'il tape dans le bas du drone, quoi, les petits bonhommes. Mais quel rocher. Oui bah j'ai qu'est-ce t'arrive ? J'ai quelques difficultés, c'est un fait mais voilà. Lui il va pas, j'aurais pas dû le paralyser. Je pense que c'était vraiment la pire des idées que j'ai eues. Qu'est-ce que je fais et... Si vous voulez, je vends l'astuce à, je mets le prix à 5 euros de base. Et tu as le droit à 30 secondes de solution.
Il y a un peu de rage hein, quand même, lui il a la rage là. Laisse tomber quoi. What? Je vais taper lui dans lui, lui va peut-être vénère. Mais il est méga vénère. Et lui aussi méga vénère, donc je vais plutôt taper lui. Comme ça. Ok. On s'en fout, on peut réparer, remettre. Ah, c'est comme ça que j'étais. Ouais. Essayer de taper lui, je pense pas qu'il meurt mais... C'est quelque chose du genre. Ils vont te défoncer. Je vais garder le calibrage. Est-ce que tu veux du Lifizu Choups ou du Wabuffy ou du Bagouafan? C'est une sorte d'éléphant mais un peu plus Bagouafan. Qu'est-ce que je peux faire? Belle description. Qu'est-ce que je peux foutre? Elle me servait pas. Bah, de son L, j'en ai deux. Je vais casser elle. Je peux remettre ça. Je peux casser ça. Je peux remettre. J'annonce que je suis dans la merde. J'annonce que je suis dans la merde. Fandal, t'as pas beaucoup de pièces et beaucoup de bêtes là. Non, ça va. Tout va bien. Je le vis bien. T'as vu Vandal qui avait une pièce à terre? Ouais, je l'ai récupéré. Ouais, le calibrage il monte quand tu sens tout des trucs. Ah oui, je vois. De quoi? Je crois. T'as dit quoi, Ziguri? Que le calibrage il montait quand on tuait des trucs. Enfin, quand on tapait sur les trucs. C'est quand on tape. Donc je pouvais le tuer et puis bah, il m'a cassé mon truc. Et du coup, je comprends. Je vais faire une quatrième mort, voilà. Au combat, au prochain combat quoi. Ah moi j'annonce deuxième mort. D'accord. Putain. Allez allons-y. Cassons ça, ça me permet de réparer quoi? Ah mais je peux choisir un nouveau truc, j'avais pas vu. Si je fais ça c'est con quand même. Mais en fait, attends. Ok. Ça suffira. Allez. On fait ça, on le tue et on passe à autre chose. Rival recruté par Solid Structure. Pourriture. Mais. Ah bah, ouais, c'est. J'ai eu ce à l'œil. Vous avez des soucis pour affronter la pourriture de votre faction? Mais je sais pas, moi, je. Je me suis perdu. C'est pas trop. C'est ça. Je sais plus où je suis, aidez-moi. Ouais, c'est ça, moi je connais pas cette structure, puis moi aussi je me retrouve dans une merde pas possible. Oh, mais ça, t'es je peux tellement rien faire. Tu le sais, je suis tellement dans la merde. Ça marche. Putain, il y avait un mec mort là en plus, on sait pas trop qui c'est. Ah, mais c'était peut-être lui en fait. Je sais pas. Oh, c'est pas mal. T'as de merde. Oui, c'est lui, ouais. C'est pas mal. Ouais, comme ça, je peux encore avoir plus de paralysie. Voilà. C'est pas du tout la bonne idée, alors. Full paralysie, à mon avis. Il vaudrait mieux avoir des trucs qui transmettent les dégâts, mais passons. Oh, des pièces. Ah, mais il y a encore un monsieur blessé. Ah. J'ai aussi mon drone qui est encore à moitié mort. Ouais, je pense. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire là. Alors. Oh là là là. On va réparer ça. C'était peut-être pas du tout la bonne pièce à réparer. Il y a eau, terre et foudre. Ouh, ça c'est fort contre la foudre. Et c'est fort contre l'eau. Et ça c'est fort contre la terre. Ok, ok, on fait si mal. Peut-être. Il fallait s'en douter. On fait 14 à la foudre, on fait un peu à l'eau. Non, c'est pas le nouveau Lego, c'est le nouveau Tetris. Non. Non. Non, c'est pas ça. Non. Salut Algérine. Je vais mourir. Je répare pas le reste parce que ça me sert à rien, je préfère garder mes réparations au cas où. Est-ce que je peux one shot lui? Et salut Lord. Non. Lord Iframe. Oh, tu peux appeler Lord, c'est quelqu'un que je connais de longue date. Il est gentil. Ok, bon. Lord. Ça
faire comme ça. Ouais, taper Lulu, il est petit là, tapons les petits en priorité. Troll aussi, ah, tape les petits direct. Bah ouais, bah ils font moins mal quand ils sont énervés après. Oh là là là. Bah, si quand ils sont petits. Si tu fais point d'exclamation pharmacon. Ah bah voilà. Ouais, t'as le message automatique, mais sinon, si tu fais point d'exclamation pharmacon, t'as également le même message dans le dos. Est-ce que tu utilises ma paralysie? Ah ouais, c'est bien fait, la vache. C'est tellement de la merde l'eau que ouais. Attention, bon, bah, je mets dans tous les chats du coup. Hop. Alors je sais pas si je l'ai moi sur le mien. En fait je pense que ça va pas marcher. Bah, mais je l'ai mis dans le titre le truc. Ça marche. Ouais j'ai vu qu'il était dans le titre. Ah ouais mais sinon oui si tu veux spammer le lien de temps en temps, n'hésite pas. Bah, ça j'aurais pu penser à le. J'aurais dû dire à Naibot de le faire. T'as les deux. Allez. Bon c'est pas grave. Si bête avec. Mais le mec de temps en temps. Pas terrible ce qui vient de se passer chez moi. Pourquoi ? Test pour effectuer la mission que l'on m'a confiée. Pourquoi je peux pas prendre la pièce ? Il y a une pièce que tu peux pas prendre ? Alors attends. J'ai peur. Oh, lui, je déglingue la gueule. Qui me parle ? Qui peut pas prendre de pièce ? Sablier. Sablier, et c'est là. Je rate ta vidéo, je suis en décalé, du coup je sais pas quelle pièce c'est. Feu, électricité, terre. Oh, je suis fort contre l'électricité. Ah bah c'est bon, mais je pouvais pas la reprendre dans mes stocks. Ah ça va, ouais, je peux tenter sur quelque chose. Pas très fort. Ah si, je suis un peu. Enfin ouais, non, je suis pas très fort contre le feu. Ça m'améliore contre l'électricité, contre la terre. Bah je sais pas. Du coup. Ouais, c'était bizarre, mais c'est bon. Je vais mettre ça. Du coup, ça devrait 16. Parfait. 3 ouais, électricité. Mais c'est mieux en faire 16. Allez, hop. Paf. Ah, je pourrais réparer ces deux là. Ça, deux. Ah non, c'est mieux ça en fait. Pas tant pis. Hein. Bon, ouais, du coup, si alors t'as des questions sur le jeu, on a le créateur du jeu avec nous, donc c'est Loud. Il a vu. Ouais, salut. Ah, cool, j'ai plein de nouvelles pièces là. C'est vrai qu'il est énorme, énorme écran. Je suis vraiment trop nul contre le feu, donc on va l'envoyer dans le feu lui. Nickel. Paf, voilà. Et voilà. On va paralyser lui, pour essayer de pas se prendre une revanche tout de suite. C'est un peu nul ce que j'ai fait là. Terre. Là ça c'est 3 contre la terre. Ça c'est 4 contre la terre, donc ça c'est mieux contre la terre. Ah, dommage. Ça change rien, ça contre la terre. Ah, oh, mais je peux one-shot lui, du coup. Si j'avais pu le. Il va me taper. Et voilà, et là c'est la misère. Oh, quel équilibre. Bon, c'est un peu nul comme équilibre. Wouah, ça, ça c'est... tape. C'est ça, j'ai pas le choix. Bon, au moins là c'est pratique. Ça. Je fais 5, il a okay. 16. Ah, 17. Ah, mais y'a pas de feu. C'est rien ce que j'ai fait là. Merci parce que je tape plus fort là. Voilà. Donc je vais pouvoir taper là. 1, 2, comme par hasard. Ça ne fait que 1 donc ça sert à rien. Non. 14 au 2 en principe. Mais attends, mais. Défoncer, je me fais défoncer. Ça par contre, pour le coup, je trouve pas que ce soit très logique que le. Que l'eau, ça. Enfin. Que l'eau ça fasse 0 sur l'eau alors que le feu ça fait 1 sur l'eau. Tu aurais préféré que ça fasse comment du coup? Bah je sais pas 0-0 mais. Ou 1-1. En termes de logique, c'est ouais ou 1-1. Comment des bêtes prenant des concepts différents peuvent se retrouver dans un commun? Ça c'est vrai. Bah en fait je suis parti du principe de base que par exemple pour éteindre du feu tu balances pas du feu sur du feu ça change rien. Ou de l'eau pour enlever de l'eau tu mets pas de l'eau dans ouais, mais de l'eau sur du feu ça l'éteint donc ça devrait être
Enfin, je veux dire, ça devrait être 0 sur l'eau et 1 sur le feu, quoi. Ouais, là, choupe, ce truc, c'est que tu peux activer des trucs, des machins, là. Donc, t'en as une ici, remarqué, ça m'a choqué sur le coup, mais... T'en as activé une par barre verte. C'est pas... Et non, tu gagnes les pouvoirs en fonction de ce qui est traversé. J'entends bien, et je... Je ne sais pas. Ça augmente tes dégâts, peut-être que je vais plutôt prendre des dégâts en plus ici. Et là normalement l'eau elle va bloquer le feu et ça va être la merde. Ouais c'est ça, on peut pas prendre des dégâts en plus ici si on prend les dégâts en plus ici. Je vais faire comme ça. Là si je peux prendre des dégâts en plus ici. Et là, là c'est bon. Du coup... La terre elle s'enfuit du feu. Parfait. Ok. Là les dégâts en plus c'est là, c'est l'eau. L'eau ça va niquer ça et ça je suis sûr. Ça passe pas la foudre l'eau. Donc ça sert à rien d'activer ça. Ok. La terre, ça fait pas mal à la terre. Donc. Ah bah si, je vais prendre la précision ici. Donc. Ok, ok, ok. Ah, si, c'est mieux de faire comme ça. Oui, en effet, Kersaï, si tu veux, on peut vaporiser l'eau avec le feu. Mais moi, c'était plus la question de l'eau sur l'eau qui devait faire un dégât que je préférais mettre à zéro en fait. Ah, mais oui, c'est vrai que c'est toujours cassé mon histoire. Ah, c'est magnifique. Ouais, de toute façon, c'est compliqué quand tu fais des trucs d'éléments, hein. C'est chaud. Ouais. What? Est-ce que je casse ça pour réparer dans beaucoup de jeux, il y a une ambiguïté par rapport au fait que l'eau éteint le feu. Mais le feu défonce la glace. Glace alors, qui est aussi de l'eau. Du coup. Oui, oui mais c'est plus les états qui sont. Mis en avant. Ouais. Vu que la glace elle fond, ça devient de l'eau donc c'est plus de la glace. Donc, tu vois, peut-être c'est pas de la glace d'eau aussi. Hein. C'est peut-être genre de la glace d'autre chose. La glace de vodka. Ah ouais. Ouais, j'allais dire glace de Ricard, mais bon, vodka ça marche aussi. En parlant de ça, je vais me chercher une bière, je reviens. En parlant de ça, je vais prendre une petite vodka. Putain, bon. Au moins je peux le tuer lui. Qu'est-ce que faire? Là, il me faut de l'eau et de la force contre l'eau et de la glace. Et je suis nul contre la glace, et je suis nul contre l'eau. Fais ça, ouais. Mais c'est les pires tirages quoi. Bon. Et déjà que j'en fais pas de dégâts, mais quand ils vont se défendre, ouais. Et bah ils. Tout à l'heure. Ils vont te sauter dessus. Tout à l'heure, je suis mort, j'ai respawn avec des monstres de terre et de glace en face, alors que j'avais de la terre. Bah, moi, mon premier respawn, je suis remort sur le même combat parce que j'avais pas de moyen de taper les mecs en face. Ok, alors tu. Maintenant. C'était un peu délicat. Mais là, je vois tellement pas quoi faire. Ça m'améliore. En fait, le seul moyen que j'ai de réparer mon drone, c'est de sacrifier la seule pièce qui me permet de taper les mecs en face. En fait, dans tous les cas, t'es fou, quoi. Ah, je crois que je suis un peu niqué, ouais. Mais en plus, ils ont plus en plus de points de vie, c'est horrible. C'est clair. Putain, tu fais que de mourir donc tu tapes de moins. Ah, je suis déjà mort. J'arrive au combat 18 là. Ça va te faire merde. Obligé de faire comme ça. J'ai de l'eau et je suis contre. Alors, glace, eau. Oh, du feu. Et de la terre. Et. J'ai 3 points de vie, je vais mourir ce tour-ci, c'est obligé. Du coup. Non, survie. Allez, tu peux le faire. Il faut vivre pour survivre. Bah voilà. Bête rencontrée 106. Bête neutralisée 89. Putain. Oh, t'es chaud quoi. Je suis qu'au combat 16. Je t'ai doublé. What? Eh, c'est du speedrun, allez. Je suis au combat 24. Je suis au combat 18. Mais toi, alors... tu triches à blier, on le sait tous. Ouais, après, on perd des points quand on est mort. Ah, mais là, par contre, ce combat, je les défonce, les mecs. Pop, pop, pop. Ah, j'ai pas le bon truc. Hein. Mais pourtant, je fais beaucoup de Tetris avec mes pièces. Hein. J'ai pas l'impression de. Oui, c'est désagréable là d'un coup. Hein. Ah, j'ai cru que je pouvais mettre toutes les pièces, mais non. Dégoûté. Je peux en mettre que 5 encore. J'aurais dû réparer ça. Et hop, qu'est-ce que. Ah, ben.
Le speedrun, je sais, c'est pas moi qui va décider ça. Quand c'est que ça sera possible. Déjà, j'en doute que. Enfin, je sais pas trop. Mais je suis trop mal. Je vois mal le jeu speedrunné en fait. Ouais. Bon, bah, mais ouais, je pense pas que ce soit le truc principal. Non. Je l'ai pas fait pour ça aussi, le jeu. Bon, après, il y a des jeux qui étaient pas prévus pour ça et qui se font bien. De toute façon, bien, tous les jeux sont speedrunnables. Ouais, mais celui-là, il y a l'air d'avoir une dimension RNG qui rendrait le truc assez frustrant, je pense. Mais c'est même pas la RNG qui ferait que. C'est juste du tour par tour un peu. Bah, ça, les mecs qui font du speedrun de tour par tour. Bah, disons que c'est les deux combinés. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un souci avec ça? Ah merde! Ah, j'avais oublié. Est-ce que la Terre, ça bloque l'électricité? Non. Ah si. Si. J'ai cru que non, mais en fait. Et là, l'eau. Oh, c'est déjà l'angoisse. L'électricité fait 1 à la Terre. Ça, c'est bon à retenir. Ça peut te sauver. Mais du coup, vous pensez quoi des speedruns de XCOM ou de Isaac? Par contre, c'est soit l'un qui est en tour par tour, pas procédural, et l'autre qui est pas en tour par tour, mais qui est RNG. Du coup, peut-être que le mien, c'est plus compliqué parce qu'il y a les deux mélangés. Enfin, au niveau du speedrun, je veux dire. Moi, ça me fait penser un peu au speedrun de FTL où. C'est tellement de trucs. Il y a tellement de trucs à piffer que ça peut être un peu frustrant et tout. Et qu'au fond, tu fais une petite run ou deux, et une fois que t'as un petit temps, tu passes à autre chose parce que. Non, mais en vrai, ça peut être speedrunner, mais en gros, pour que ce soit au moins un peu plus agréable à speedrunner, faudrait mettre un mode où t'as pas les textes. Oui, ouais. Déjà. Ouais, c'est possible. Après, je sais pas, mais. Si, ouais. Il faudrait d'autres, mais. Bah après, les textes, je sais pas si t'as vu, tu peux les skipper en cliquant. Oui, moi, bah tu oui, peux cliquer. Ouais, moi, bon, j'ai de la terre et de la glace. Putain, mais si on a changé de décor, on arrive devant de chez quelqu'un? Oh, dis donc. Avec une sorte, comme si tu pouvais mettre une carte. Je suis obligé de prendre l'électricité, mais c'est nul, je vais juste débloquer ça. Le truc, c'est qu'il faut pas forcer la speedrun, il faut laisser faire les choses. C'est souvent les jeux qui ont essayé de forcer l'aspect speedrun qui ont le moins marché en speedrun, alors que s'ils avaient pas forcé, et ça serait super bien. Genre ouais, Sun, par exemple. Et souvent, c'est quand tu te. Tu parles de Sun, c'est ça? Ouais. J'ai absolument voulu faire un jeu de speedrun et ça. Ouais, puis je trouve quand tu fais un jeu en le vendant comme un jeu de speedrun, s'il y a des défauts, ça passe vachement moins bien qu'un jeu qui a pas du tout été fait pour ça. Mais du coup, vous avez vu pour Splasher là, qui a été quand même bien. Oui, mais Splasher, ils ont pas forcé l'aspect speedrun, ils ont juste intégré un chrono à l'intérieur, ce qui est totalement différent. Oui, c'est vrai. Oui, enfin, ils ont intégré un mode speedrun. C'est... Ouais. Le jeu a pas été fait autour du speedrun, quoi, c'est ça qu'ils voulaient dire, je pense. Ouais, ils ont pas forcé le truc en se disant, enfin ils ont pas conditionné leur gameplay, c'est pour ça que j'entends par forcer. Ouais, ils ont fait le jeu et après ils ont conditionné des le... choix parce que t'as envie qu'ils soient speedrunnés par des gens. Oui, genre oui, on va mettre un wall jump parce que c'est mieux en speedrun, je sais pas quoi. Ouais. Enfin, je dis ça au pif complet parce que j'ai jamais joué à ça, mais je sais pas trop ce que c'est. Ou alors on va coder avec le cul pour mettre plein de bugs, comme ça les gens prendront le speedrun. Dans ce film c'est l'inverse, tu vois. Ils veulent absolument. Ils ont fait un jeu en mode en le vendant comme du speedrun, mais à côté ils corrigent les bugs, tu vois, ce qui est assez étrange. Ils ont refait le jeu là à cause de ça. Ah ouais, quand même. Non, mais s'il me faut de la glace et de la terre, faut pas que je mette ça parce que c'est de la merde. Mais ça, après, c'est il me contre la glace, mais ils attendent les saisons avant de faire du patch. Mais... Après, pour un dev, ça dépend comment, à quel point le bug il est. Il pète le jeu ou pas, mais ça peut foirer un équilibrage, ou alors ça peut même faire dire aux autres joueurs qui font pas du speedrun que le jeu c'est de la merde parce qu'il a ce bug. Ouais, mais justement, il faut savoir avoir le recul et se dire est-ce que le bug qu'il y a il est handicapant pour les gens qui jouent au jeu, ou que pour, enfin, est-ce qu'il est handicapant ou pas. Dans la politique de Valve, de dire si le bug tu l'as que quand tu cherches à l'avoir, on le laisse et on s'en fout. Je trouve ça plutôt pas mal. Hein. Oui, je suis d'accord. Effectivement. Putain, je vois tellement comment bien ranger mes pièces si c'était réparé, mais je vois pas comment on répare. Fais chier. Ah putain. Comment
pas la famille qui m'embrasse. Bon. Je vais remettre comme c'était. Et puis je vais. Enfin, je sais pas si c'était comme ça, mais. Puis on va tenter, hein. Oh là 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 là. Je prends tellement cher. Vous en sortez bien quand même en général. C'est des petits, petits, un aiguille c'est petit, les deux. Donc, ah, c'est bon, y'a plus aucun. Y'a pas assez de voyelles dans ce quand même. Ça, je. C'est ouf quoi. Ah, mais c'est nul ce que j'ai fait parce que du coup, je peux plus mettre mon truc en carré. Ou alors, je casse ça. Qu'est-ce que c'est? Ça me saoule. Ça m'a saoulé. Peut-être qu'il va mourir. Peut-être qu'il va pas mourir, c'est chiant. Il est pas mort et c'est chiant, voilà. Oh, mais non, il a tapé où y'a rien. J'ai pas le choix. J'en veux celui-là au pif un peu. Ah, mais je peux tuer la glace grâce à ça. Je tue la glace, je tape lui. Je tape dans lui, ils explosent. Je tape dans lui, j'ai gagné. Ok. Un mur ? Ouais, il est bien d'accord, c'est chelou. Qu'y a-t-il derrière ? Est-ce que j'ai pas moyen ? Ouais, l'île elle est coupée en deux par un mur. C'est Chypre en fait. Et du coup on reste contre le mur. Foudre, feu, yes. Caillou. Feu ça me va, feu je le one shot. Donc il se cool. Ah non je le one shot pas. Sauf si c'est. Ah si c'est un gros donc je le one shot. Crash, oh, j'ai pas pensé à. Caillou ça passe. Pas réfléchi. Oh alors vraiment. Là c'est full water. Là, ça, ça fait 4 contre la foudre. Ouh, bon, on va enlever l'eau là qui fait pas grand chose contre la foudre. Je faisais 1. C'était chaud pour toi, Vandal, là quand même, t'en sortir. Bah, j'aurais pu m'en sortir, c'est juste j'ai juste réparé une pièce. Du coup, je me suis juste redonné un PV. À mon avis, si je réparais le tout, le monde je le battais là. C'était. Oui, c'était. Pour, tu pouvais. Pour le coup, c'était une erreur de decision making. Hein. On peut sortir. Ah, faut arrêter, ben... Vandal. Hein. Eh mais attends. Ah oui. Bon ça sert à rien mais. Ah c'est dégueulasse. Qui a compris quoi? Non ah c'est juste que je pouvais pousser je me suis dit tiens je peux pousser les. Même si je leur fais zéro dégâts, je peux les pousser les uns contre les autres. Ah mais c'est très utile en fait. Ah on peut faire ça. Ah bah oui. Ah, oui c'est pas con en soi mais j'avais pas pensé. En fait, tant que vous utilisez pas ça, vous allez bloquer à un certain moment, en fait. Bah, ça sera trop compliqué. Bon, du coup, là, je vends la mèche, je continue sur cette mèche-là, on va dire. Ça veut rien dire, mais on s'en fout. En gros, selon la taille de la bête, bah, t'inflige plus ou moins de dégâts, en fonction de qui tu tapes avec. Ah. Du coup, les ouais, ouais, parce que les gros ça font 3 et les petits. Ouais, c'est un. C'est vrai que j'ai remarqué des fois je faisais plus de dégâts, mais j'avais même pas capté. Mais ça, c'est aussi la faute quand on dit pas les dialogues pour aller vite. Oui, c'est ce que j'allais dire parce que d'ailleurs, pas trop spoil. C'est dit dans le tuto c'est, bah, au début. C'est pas. Dans ce cas, c'est pas. C'est pas rendu spoil quoi, c'est. Juste. Putain, mais par contre là, je dois avoir parce que j'ai rien. Ah, j'aurais peut-être dû augmenter mes dégâts, ça aurait été mieux, c'est pas grave. Allez, mourez. Soyez décédé, et c'est très bien. Voyez quand même. Halt, qui êtes-vous? Moi c'est Vandal. Putain, y'a des... Merde, non. Parce mais que... alors, ce qui est horrible, c'est que là, concrètement, j'ai que des dégâts d'électricité et d'eau. Et comme par hasard, je me donne dans le mille, j'ai tout au max sauf 0 okay, en eau rien et 1 en électricité. Et tu peux rien faire. Et je peux rien faire. Parce que si je... Foudre et feu. Enfin, foudre, feu et foudre. C'est du mauvais decision making, quoi. On va déboîter le feu, hein. Ça. Ouais, le jeu il me concurrente, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que mais vous avez non, une intelligence. Ça sert à rien. Le jeu me dit pas que t'es con. Bon. Je fais plus de dégâts à lui. Venez par là, monsieur. C'est désagréable tout ça. Ah, j'étais obligé de mourir là. Ok, je vais bientôt déverrouiller un nouvel upgrade. Bon. Oh. Ah, du bol. Nickel. Mais alors. Non, mais pas du tout.
C'est désagréable, monsieur. Que faire, que faire? Putain, c'est dommage, si j'avais une pièce comme ça, ça aurait été tellement la folie. Mais voilà, je suis encore dans la situation de merde, il faut que je casse la seule pièce qui me permet de faire des dégâts. Ok, hop, on crisse pas. Cassons ça, comme ça on peut mettre. Hop, on passe à 8. Ça là, je réparer ça et mettre ça et faire 8. Et on passe à 10. Plus de 10. Pas du tout, c'est nul mon truc, c'est nul. Mais en plus, mais tu commences même pas avec le même nombre de jeux de réparation, quoi. Bah, faut pas déconner, hein. Ouais, moi numéro 20. Oh là 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 là. Bon, tapons sur lui. On s'en fout de paralyser puisque je peux me soigner ça. Allez, je peux me soigner. Bon, en soi, ça change rien parce que je peux pas. Je tiens pas confiant. Ah, mais je suis mort, je suis bête. Je me suis dit que je pouvais me soigner, mais je peux pas me soigner si je prends trop de dégâts en fait. Wouah, putain, je mets des glingos. Ok, maintenant je suis dans la team Caillou. Caillou RPZ. Bah, moi aussi, du coup, mais. C'est fort contre quoi le caillou? Contre l'eau. Un peu le feu ça va et la foudre. Oh, sur l'électricité et l'eau en fait. Quoi? Oh, le sol. Putain, comment je peux réorganiser mon vaisseau de merde? C'est tellement chaud. Hein. Comme ça. Au début ça va et puis après il te casse un truc et c'est la fin quoi. Ça me fait plaisir. Allez, hop. Enfin, je sais pas pourquoi je pensais que j'aurais pu en mettre un de plus, mais non, pas du tout en fait. Bon, bah, tant pis. Ouais, la classe. Allez. Non, en fait, je pourrais. Toujours le problème, on peut pas retourner les pièces. Et que du coup. Ah, si. Est-ce que ça marche? Oh, les salauds. Non, ça marche toujours pas. Bon, allez, on s'en fout. Je peux bouger autant que je veux, ça ne marche pas. Si je comprends bien. Une pièce. Oh là là, tout repose sur moi. Oh, je pourrais le one shot lui si seulement je faisais un dégât de plus. Bon, tant pis, on tape dessus quand même. Il n'y a pas l'air du tout d'avoir de fourchette de dégâts ou quoi, c'est fixe. Hein. Ah, je pouvais en fait, il aurait fallu que je. Bah, genre, on fait forcément le nombre de dégâts qui est indiqué. Ah. Si oui. Mi 20 c'est 20, on va pas faire des fois 21. Non non, y a pas de chance comme ça. J'ai envoyé la petite dans la grosse quand même. Voir l'explosion. Allons-y. Puis je vais faire pareil. Ah mais là elle va être vénère. Ah non. Ah si. Si. Wow. Si en fait si. Oh là là. 10 plus 3 13, bim. Lisnel là, tiens. Change rien. Qui êtes-vous? Enfin, mon objectif c'était de faire des calculs mentaux aux gens, ça marche. Non, non, c'est d'accord, pas donc là. Par contre. Si vous arrivez ici, c'est que vous avez l'intelligence de mélanger différents types de pièces sur votre drone. Oui, en effet, on peut le constater. Ouah, ça passe. Putain, ça passe, c'est bon. Putain, je suis dans la merde. Bah, disons que si tu étais plutôt partisan de Ben, bah, du coup t'aurais pas mélangé les pièces quoi. Bah non, mais là pour le coup j'avais toutes les pièces pareilles parce que je venais de décéder. Du coup ça marchait pas du tout ce qu'il me racontait le monsieur. Mais... Voilà. Oui, ah j'avais pas pensé à ça. Merde. C'est pas grave. Au moins le mec il saura que c'est vraiment qu'il est nul quoi s'il est mort juste là. Putain, mais comment je suis censé faire là? Non, on va pouvoir tuer lui. Ah non, dans sinon, lui. Ouais. En fait je crois que j'ai prévu le coup parce que dans le texte qu'il y a quand tu meurs, si je me trompe pas, j'ai dit le mec il dit passons à un autre agent, il dit pas envoyons un autre agent, ou alors il dit envoyons. Je sais plus. Quand... Oh, hey, je pense qu'on aura l'occasion de vérifier. Vu comment ça part,
Je serais surpris là. Je suis totalement dans la merde. Pareil, si je me reprends. De toute façon, je peux rien changer. Je suis forcément obligé de regarder ça. Alors, le drone de cet agent est détruit. Il n'a plus aucun intérêt pour nous. Abandonnez-le et envoyez un autre agent. En fait, au final, on sait pas s'il est. Techniquement, on sait pas s'il est mort. Non, il est en train de errer. Ouais. J'attaque quoi, Buffy? En fait, comme t'as dit tout à l'heure, le jeu ça se passe à Chypre. Voilà, on a trouvé le truc. Je suis pas contraire là où on sait que ça se passe à Chypre. Ah oui, mais moi je suis obligé de taper lui. Alors. Ah, je suis redevenu full feu. Quoi? Genre, lui dans lui pour faire des dégâts là, ça va faire des dégâts là. Ok, c'est cool. Ça c'est pas cool. Je peux pas réparer, c'est pas cool. Vous êtes désagréable. Non, j'ai cru, mais non, ça marche pas. Du coup, je fais plus que 12 halos. Ça c'est. Paf! Ouais, c'est pas grave, je peux réparer un petit peu. Putain, je me suis fait déglinguer. Je vais envoyer un autre agent. Et normalement, si je l'envoie là, ça le tue avec les dégâts. Là, je meurs littéralement un combat sur deux, quoi. C'est horrible. Oh putain. Bon. Là, je... Non, ah, après, je peux réactiver un autre truc. Ça, comme ça. Est-ce que la glace, là, ça fout la merde? Comme ça. Ça passe pas le feu, du coup là le feu ne sert à rien. Oh, le caillou là peut-être qu'il marche. Non, pas du tout. Et comme ça. Allons-y. Oui, mais là je nique mon feu, du coup si je prends ça comme ça, il faut que je gère le feu là. Ok, alors. Je mets de la terre, mais si je mets de la terre, ça empêche l'électricité de passer, donc il faut que j'enlève l'électricité. C'est l'infini. Du coup la glace, très bien. Ah oui, parce que du coup si on met que de la glace, ça marche. Ça marche un temps. Et de l'eau, on pourrait mettre que de la glace et de l'eau. Au moins ça active des trucs. On va faire ça. J'ai tellement aucune idée de c'est quoi le plus optique. Il y a pas de... Ça y est, plus rien quoi. De dégâts, je vais mettre un petit peu la cible. C'est ah nul. D'accord, c'est ça vient de là le titre du jeu. D'accord. Ah. Bah moi j'ai les dialogues. Hein. Oui. Ah si on a perdu Loud. Ouais, il a le petit coup sur internet, et il devrait pas tarder à revenir. Ok. Il y a Dogrut. Il est petit. Quel... Oh, je suis passé mal. Quelle angoisse. Ouais, autant garder mes machins pour le combat d'après. Ça va être... Je lui fais 0, donc je peux bien taper dessus autant que je veux. Ça va pas mal m'arranger beaucoup. On va one shot lui plutôt. Il va prendre des dégâts lui. Là je vais me prendre 3 attaques. Ok, une seule. Non, mais franchement. Je renvoie là. Désolé, j'ai eu une coupure. C'est très grave. Mince. Non mais Fouchasse tout de suite il juge genre. Oh là là. On est plus le même homme. Est-ce que si on laisse les mecs tranquilles un peu, ils gardent la rage ou pas? Voyons voir. Obvious. Voilà. Et oui donc oui, apparemment. En tout cas ça a pas l'air de les calmer. Voilà. Putain mais ça fait 15 plombs qu'on est coincé devant le mur. Mais attends, mais je suis au combat 28 hein. Ah ouais, du combat 20 au... à 22. Est-ce que je peux le tuer? Non, je peux même pas le tuer là. Oh mais si. Ah mais non. Mais au combat 17 on était déjà devant. Vas-y, cette je porte. Casse oh là là.
Le combat. T'as l'air fermé, ah, ouais, je sais plus quoi. Peut-être ça s'ouvrira jamais. Je crois que j'ai compris un truc, alors je vais tâcher de. Et donc là, je suis obligé de tout péter de toute façon. Pour espérer me réparer. Il me faut. En priant quoi. Ouais, non, ça marcherait pas. Très bien. Très bien, très bien. J'ai encore fait des boîtes. C'était pas étonnant vu les types que j'ai. Ah, je suis heureux des cailloux. Ah, mais là ils sont que 3, tout c'était beaucoup mieux. D'accord, donc là ça change rien. MCO. Oh, y'a pas de cailloux en plus. Y'a l'eau, on est fort contre l'eau. Y'a la foudre, on est fort contre la foudre. Et y'a du truc, on est moyen. Est-ce que. Alors. Très bien, quel bordel. Bon. Ah mais j'aimerais bien mettre lui là. Pas le choix. Ou je sais pas c'est quoi le plus optimal, j'ai l'impression que je fais plein de trucs et que c'est tout pareil. Lui dans lui, il va mourir. Ah il va mourir en fait. Sa persistance. Ouais cool, mes deux préférés. Persistance et précision. Yes. Si c'est bien comme ça que... Ouais, c'est comme ça que ça marche en fait. Ok. Ah bah voilà, c'est bon. C'est bien ce qui me semblait, on est enfin passé. On est enfin passé. Ah putain ça. Je pense qu'il faut que je tape le feu pour l'approcher des autres qui vont mourir. Alors là. Sortir. Comment je vais faire? Ah oui, ça arrive à l'usine, d'accord. Donc. Bon. Je tape fort sur le feu et la glace. Il y a pas mal de glace. Par contre, je tape 0 sur. Oui, le mec il a eu le temps de me taper avant que de mourir, quoi. Salaud. Taille grande. Taille énorme. Ok. On va faire comme ça. J'irai le dialogue plus tard. Ouais, on va passer. Oh, il m'a déglingué la tête. Oh, ça va, je sens ça. Ah putain, je suis. Peut-être que je pouvais faire ça avant et que j'aurais dû faire ça avant. Putain, mais merde! 20 à la foudre. On va remettre. Ah oui, mais je suis bête, je peux pas refaire du pouvoir magique après. Un suicide stratégique! Mais je suis 0 à l'autre imbécile là, de cailloux là. Ah mais ça va pas, j'ai... Ah elle est cool la musique de l'usine. Cool. Merci. Enfin c'est pas moi qui l'ai faite mais merci quand même. Ah, ça c'est bizarre. Bizarre. C'est un des rares trucs que j'ai fait, que j'ai pas fait plutôt. Ah. Mais que, non mais ça me dérange pas du tout que tu apprécies ça. Justement je suis plutôt content. Bah les dégâts que j'ai fait. Oh, mais j'ai un léger glitch d'affichage à un moment. Je sais pas si c'est grave. Je veux enlever l'eau, comme par hasard j'ai 0 d'eau. De quoi qui est grave? Zekogui, je crois que tu disais. Ah non, non, c'était pas grave du tout, mais j'ai eu. Quand je me suis fait taper, il y a eu une pièce qui s'est décalée sur l'échiquier qui était en superposition avec une autre, mais. Quand j'ai passé la souris, ça l'a remis donc c'est. Un petit, un léger bug d'affichage quoi. Je vais mourir. On va mourir. T'appelles lui comme ça pour le calmer. Oh, on fait 1 même quand on a 0. On fait 1 même quand on a 0. Bah, je sais pas, j'ai tapé dans un mec alors que j'ai 0 et ça lui a fait 1. Ça c'est bizarre. Ouais. Mais parce que j'ai mis. Après, j'ai mis la paralysie, mais donc je sais pas si ça fait un dégât minimum la paralysie. Bah, en fait, là. La paralysie. Parce que normalement ça enlève des dégâts la paralysie. Ouais. J'ai l'impression que c'est. Normalement, quand t'as la paralysie, ton Pokémon il peut plus attaquer. Mais. Déjà c'est 25% de chance. Ah là voilà. J'ai perdu là. Et en plus t'as la. Ah merde, t'es tombé sur un connaisseur, fuck.
Mais j'ai pas la faire à moi, t'inquiète pas. Et du coup, je reteste pour voir. Ouais, si tu tapes un mec avec la paralysie, tu fais un dégât. Oui, au minimum, ouais. Bon. Ouais. Alors que quand tu tapes 100, du coup, je suis à 0. Oh, et là, je vais mourir. Tu fais le plus de dégâts possible. Je peux même pas me soucier. De toute façon, je vais mourir. Bon, de toute façon, je vais mourir. Donc. Mais du coup, il y a un truc qui va pas quand même. Là, je suis en train de voir Zigoui. Enfin, bon, c'est un décalé du coup, parce que tu vas mourir sûrement. Ah, là, je suis mort. Oui, bah oui, t'as que des pièces de pierre contre une bête de pierre, donc forcément, tu meurs. Mais Mais il m'a remis. Moi, bon, je suis encore de la pierre. Mais il n'y a pas de pierre en face, je suis un peu rassuré quoi. Ouais, mais juste une question. Quand t'as commencé le niveau où t'es mort là. Tu venais juste de ressusciter, enfin d'avoir un autre agent, ou tu venais, t'avais fait un combat avant? Je sais plus, j'ai fait 2-3 combats avec de la pierre en arrivant là, enfin je suis mort au début, j'ai fait 2-3 combats, après je suis remort avant le combat et on m'a remis la terre, je crois. D'accord, et dans ton combat où t'es mort par la pierre, t'avais d'autres types de bêtes sur le champ de bataille que la pierre ou... Ouais, même là j'ai fait le con, j'aurais dû taper la pierre pour les tuer en les envoyant dans les autres. Oui, voilà, c'est ça. J'ai pas pensé, mais non, j'avais sans doute moyen de m'en sortir. Ok, comme j'ai pas suivi ton combat, c'est pour ça. On va vous dire dans le milieu. Ça va être très bien. Mais il fait trop mal! Dans lui. Ah, mais je pensais pas qu'il allait me taper. Putain, c'est feu, d'accord. Le fourbe. Non, je vais être obligé de faire ça. Ouais, Kirsten, moi j'aurais trouvé ça bien. Et que quand il y a des trompes, c'est faire tomber dedans aussi des trucs comme ça. Mais bon. J'imagine le truc. Ben, ça, j'y ai pensé, mais je me suis dit, attends, quand la bête. Elle est pas morte, c'est qu'elle tombe dans le trou. Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que tu la marres dedans dans le trou? Et quand elle explose que dans le trou et pas autre part. Enfin, je savais pas trop comment gérer le truc. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est. Je pense avoir vu ça dans Valkyrie Profile 2. En gros, si l'ennemi sort entre guillemets de la zone de combat, bah il est considéré comme inexistant. C'est comme si tu faisais un ring out. Dans un jeu de combat, c'est en gros, c'est pas gagné quoi. Ouais, moi j'aurais vu ça, genre si elle tombe, elle meurt, et par contre, y'a pas de dégâts d'explosion et tout. Ah ouais. Bah, le ring out, c'était un peu chaud. Au sens que des fois, c'est un peu trop cheaté parce que t'envoies toutes les bêtes dedans. Je sais pas si au niveau de la stratégie, c'est intéressant. Après, le côté de pas de dégâts d'explosion dans le trou, ça peut peut-être le faire. Je réfléchis à ça, ça serait une bonne idée quoi, c'est... Bah cheater, mais non, parce que ça peut être également une stratégie quoi, de toute façon, c'est pas toutes les maps qui auraient des trous. Ce serait plutôt, ouais, de temps en temps, tu fais, oui, je peux le faire tomber dans le trou. Genre là, je serais hyper content de pouvoir faire tomber dans le trou le petit Dogrot. Je sais pas comment ça se prononce, les petits vers de terre là, qui sont... qui ont trop de consonnes pour moi. Lui il est vénère de toute façon, donc on va plutôt faire un truc comme ça. Je vais pas rien faire, c'est dingue. Au revoir. Et on va le retaper. Voilà, je me fais déboîter, bah très bien. Et là normalement il meurt lui. Ah mais c'est moi l'agent 120. Et je suis bête, je suis mort et je suis un autre agent. Et j'ai pas... Bon, parce que là... Je pourrais pas ça très bien, du coup je peux mettre ça très bien. Moi je vais ça comme ça. Ça, je fais tellement rien aussi à ces trucs là. J'aurais dû faire l'autre.
cailloux. Comment faire? Je vais tenter ton truc de la paralysée qui fait des dégâts. Ouais, ça marche. Mais je suis assez pour le faire. C'est mal. Ça met pas beaucoup en plus. Hein. Bah, ça met 1 et il lui est resté 3 points de vie. Voilà. Dégoûté. J'y étais presque. Bah, je me vois tellement pas réussir à les battre. Ah, si, la conduction c'est bien. Ils sont tous du même type là. Oh non, je suis encore haut. Ils vont. Ça pique. Je peux pas me soigner, je peux pas me soigner. Ah, ça le tue pas. Ah, si, ça le tue. Bon, allons-y. Ah, mais je suis mort, je suis bête, je me suis pas soigné. Ah, mais là, il y en a 15 fois moins quoi. C'est. Enfin, 2 fois moins en fait. Bon. J'ai. Ouais, on arrive au combat 24. Oh putain. Ah, je suis encore de la terre. Mais peut-être qu'en fait, je lis pas, mais ça se trouve, en fait, ils envoient pas un autre agent là et je suis toujours le même mec. Je sais rien en fait. Je crois que c'est le même, mais que t'as juste pas de bol. J'ai pas bien lu. Ouais, on va envoyer lui là, comme ça ça meurt. On va lui là. Je passe vraiment rien faire. Ah, mais non, mais il va me taper. Ah, non, il me tape pas. Oh, là, j'aimerais tellement pouvoir le paralyser et pas me prendre deux dégâts, mais je peux pas. Ouais, je peux en réparer bon, deux, en fait. Il faut que je répare ici. Oui, c'est bon. Et ici. Je ne le crois pas. Du coup, je peux paralyser lui, et je peux paralyser, je peux paralyser le tour d'avant, mais. Non. Ah, je suis électrique. Qu'est-ce que ça a donné? Ça devrait le faire. Ah oh, ils sont tellement. C'est voilà, le feu que j'aime le moins. Il faut que je gère le feu pour bien linker. Tu peux pas descendre plus bas que 3 sur une capacité là. Déglingue les trucs d'eau là. Ok. Bon. Ah. D'accord. Ah, ok, t'es plus. Ça devrait le faire. On repart là. Souci. Ok. Bam. Par contre, je passe. Je ne peux plus suivre tous les streams en même temps. Bon. Ça fait chier ça. Là, je vais mourir. Je vais tellement mourir. Est-ce que je pourrais en soigner? Ouais, je peux peut-être, mais je sais pas comment faire. Re-choups! Ah merde. T'as bien mangé? Compliqué. Ah non, c'est bon. Mais. Qu'est-ce que là? Voilà. Ensuite. On va essayer de les tuer, mais j'y crois pas. Voilà. Parce que ça pique ça quand même. Hein. Là, ça fait vraiment mal. Enfin, j'imagine que ça fait mal. Bon. T'en taper dans lui, hein. De toute façon il est vénère, il va me taper un frais donc. Putain. Ouais, ça sent mauvais, hein. Plus ça va, plus ça sent mauvais, quand même, mon affaire. Il me manque les premiers combats. Bah, je préfère quand même ceux-là. Ah, ils sont plus passants, je suis d'accord, mais putain. De temps en temps, t'as juste. Tu peux rien faire de toi. Ça arrive. Alors. Bah là concrètement je peux rien faire. Tu mens pas grand chose. Après peut-être qu'il y a on finira par comprendre et se dire hey, en fait on aurait pu fait lui faire tel truc.
on se sentira bête. Mais non. Putain, il me reste un point de vie. Ouais, t'appelles lui. Lui, je peux me soigner. Ouais, je peux me soigner. Je t'apprends lui. Hop, Balek, on soigne. Et ensuite, on envoie lui là. Et si, si j'ai bien calculé, ça marche parce que ça fait double explosion. Ah, j'ai mal calculé. Oh, mais il a pas tapé. Parfait. Mais c'est pas possible. Je vais pas faire autrement. C'était pas possible. Faudra qu'on m'explique ou bien j'ai pas compris un truc, hein, c'est possible, mais. Alors, j'ai pas vu l'action, du coup, je peux pas trop te dire. Ah, si, peut-être que ça a marché. C'est qui a eu un problème? C'est moi. Enfin, Sablier. Sablier, ouais, pas. C'est lui. Effectivement, c'est où? C'est où que tu veux dire? Qui vont l'eau? Alors, attends, clac. Est-ce que je peux voir juste ton stream pour voir? Oh, donc, du feu et à mon avis, ça ferait passer, mais. Donc ça c'est nul contre l'eau, mais ça me permet de me après, ça me permet de me réparer du feu. Après il y a pas mal de situations qui sont gérables uniquement si t'as bien prévu à l'avance en fait. Bah là j'avais mon plan dans la tête mais ça s'est pas passé. Non, comme mais prévu. Je veux dire quand je dis à l'avance c'est je veux dire à l'avance dans le combat d'avant ou les deux ou trois combats d'avant en fait. Ah oui mais bon tu veux pas faire chose. Hein. Ben, disons que c'est... enfin... Je suis ben ouais, parce que... dire un peu le... Pas... C'est pas un gros shit ce que je peux balancer, mais... Il faut planifier sur le long terme, en fait. Bah ben, mais bon, qui... tu peux pas, quand tu tombes toujours sur des trucs... Par exemple, là, j'ai respawn avec des modules de glace. Tu peux être certain que dans le prochain combat-là, il va y avoir 3 mecs de glace, avec des mecs de feu et j'ai rien pour me dégeler parce que j'ai zéro en jauge de réparation, j'ai zéro pièce qui peut me donner de la neige là, et du coup je pourrais pas me soigner donc je vais être obligé de les balancer, de me faire taper et de me démerder comme ça et je vais mourir. Voilà. On tape lui parce que lui je peux le soigner. On va voir, peut-être que tu vas trouver une autre solution. Pour que celle d'en haut ne riposte pas. Ah peut-être Algérie, mais je crois que ça aurait pas tué celle du bas avec l'explosion et du coup j'aurais quand même pris plus de dégâts encore. Enfin, je serais mort aussi je pense. J'aurais dû changer ma pièce. Bon bref. Donc on va voir hein, si... Si effectivement je... Ah, pardon. Deux trucs de neige seulement. C'est le combat encore après, langue. On aura trois. Ça va. Alors. Non mais j'imagine qu'il faut savoir prendre des dégâts des ennemis qu'on peut soigner, ou genre de trucs, mais... Ouais, mais c'est chaud. Mais des fois... Ok. Attends, en plus ils sont mal placés quoi. Je vais le tuer et on va voir après comment on gère le dernier mec de la terre. J'étais trop con là. Ah attends. Lamentable. Ouais. Oh, 90%. Bientôt je pourrais avoir tous mes petits trucs. Des nouvelles petites pièces. Ouais, bien sûr. Je pense aussi que c'est plus facile une fois que tu meurs plus, mais... Plus facile à dire qu'à faire, hein. Ah mais ouais, après alors... déjà, quand tu commences à avoir plusieurs types de pièces différents, qu'il n'y a pas un type où tu peux rien lui faire du tout, c'est... Ouais, quand t'as plein de trucs en réserve, c'est cool. Ça m'est arrivé une fois, mais je suis mort bêtement juste après, donc... Je peux pas trop... Si je ça c'est nul contre le feu, il y a du feu mais c'est fort contre la terre, il y a de la terre. 7 ennemis mais merde. Je suis même pour rire. Je suis à 12 à la terre. Je peux soigner un peu la terre, tapons sur lui, petit. Bon déjà rassure-toi, on peut rien avoir plus. Est-ce qu'on peut taper avec 0? Il peut en avoir plus? Bah j'ai pas entendu. Oui. Bah à un moment il parle de 12 au début là. Ah
12 ça fait beaucoup mais... enlevons ça pour remettre anti-terre. L'eau ça fait quoi? L'eau ça mouille. Mais non! Mais non! Ah, attends, j'ai une solution. Oh putain, heureusement qu'il y a ce cheat. Quel cheat? Bah, le cheat de la paralysie qui fait un dégât. Ah! Non, mais ça c'est très bien ça comme astuce, hein. Il faut pas l'enlever ça. Ok. Attends, ah, mais non, mais dis-moi ça. Bon, j'avouerai que ça m'arrange. Mais parce que tu savais pas du tout ça vient ça. Non, non, c'est juste que j'avais pas remarqué que j'ai la flemme de le changer. Et allez, et donc là, j'annonce, je suis mort. Donc c'est même pas la peine d'essayer, c'est foutu quoi. J'ai tapé au pif, puis je vais mourir. Allez, tuez-moi. C'était impossible. Mais en fait, à chaque fois, ça reprend les stats depuis le début, parce que... Je veux dire, c'était pas possible. J'étais super con. Ah, vraiment, je pense que j'étais super con. On va voir, mais je pense que j'étais super con. Première fois que je tombe sur... Et derrière, j'étais recon. Oh, c'est pas grave, mais... Il aura tué la vieille piquette. Ok, allons-y. Tellement dans la merde. Après peut-être. Je peux activer la dernière. Bon, j'ai activé que la glace et l'autre depuis le moment, ça cohabite bien. Je suis dégoûté. Ah putain. Ça commence mal déjà là. Ah ça passe, ça passe. Je suis full feu. Il faut de la glace, du feu. Et il y a 3 ennemis glace. C'est génial. Tu triches, Jondal. Bah, totalement, ouais, ouais. Et moi, justement, je viens de respawn, je suis full feu. Et bah, même les ennemis, c'est de la merde. Hein. Alors que c'est le premier combat. Enfin, en gros, c'est électrique et haut, quoi. Donc, ça va, y'a pas de feu là, mais. Prochain combat, y'en a donc. Ah, on s'en fout de se faire taper par la foudre. On peut se nier. Tape à tape. Je vais casser l'eau hein, pour soigner un peu du feu. C'est vrai qu'elle en baisse. Ah, j'aurais pu peut-être en mettre un là aussi, mais non. J'aurais dû le paralyser. J'aurais pas dû virer l'eau en fait. C'était le plus fort contre ce que j'ai besoin de taper. Et j'ai été stupide. Bon, attends, je vais le paralyser parce que ça suffit. Connerie, hein. C'est pas ça. Tu crèves. C'est tellement, c'est de plus en plus laborieux, je vais encore mourir. Ah, il ne le tue pas. Il ne le tue pas, je suis dingue. Peut-être avec ça, il serait mort. Ah, j'ai réussi à rentrer. Il y a des trucs. Ah, il y a des trucs. J'ai hâte d'en savoir plus là. Pourquoi il y a tant de bêtes ici? Mais peut-être parce qu'ils utilisent les bêtes pour faire les pièces. Oh. Révélation. Peut-être la spéculation parce que je connais pas trop. Il y a plein de foudre. Ça tombe bien que je suis de la terre, dis donc. Taille énorme. Euh...
On va paralyser lui pour pas qu'il fasse chier, mais on va le ramener. Quoique, en fait, il était pas si chiant maintenant que je réfléchis. Mais. Hein ? Surtout lui qui est chiant. Super. Et on va forcer comme ça. Bon. La foudre, je suis tellement fort contre elle. Par contre, si je tape dans le feu, je vais encore me prendre des dégâts de feu et je pourrais pas les soigner. À moins de casser ça, mais du coup, j'ai plus rien pour faire des dégâts au feu. Pas le choix. Pas le choix, faut y aller. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Oh, oh. Oh putain, mais j'avais pas vu. Je trouve que ça avait l'air depuis une demi-heure et. Bon. Bah, je vais être honnête. Me remettre d'aplomb. Attends, lui ça tape sur quoi? Je pense que je vais me faire défoncer par toutes les rages de tous ces mecs là. Allez, je me suis fait défoncer. Ouais. Ok. Comme prévu. Bah, si tu l'avais prévu, c'est bon alors. Ah ouais, mais c'est ça, c'est vite fait bon. Le meilleur idée que j'ai, je vais me faire déboîter. Et hop. Ah oui, je viens de voir. Mais ils ont pas l'air de se calmer quand on les laisse tranquilles un peu alors. Non. Bah ils sont très rancuniers en fait. Hop là. C'est même plus le mot là. Plus rancuniers qu'ils sont. Ouais, ils ont la rancune tenace, hein. C'est pire que. Ouais, bon là ça va faire une explosion, je vais encore me faire défoncer parce qu'il y en a plein qui vont mourir, du coup ça va remourir. Ouais voilà. Et j'ai pris genre 5 contre-attaques d'un coup. En haut. Ouais. Et je me suis fait exploser. Ils étaient vénères. Bah ouais, mais ils étaient en carré, ils étaient genre 8 tu vois. Ah. Et j'en ai énervé un qui a énervé tous les autres. Ah, je suis de la foudre. Il y a de l'eau et du feu. Est-ce que c'est. Oh, c'est parfait. Oh, le bon tirage. Ah, ça marche pas ça. Bon, je peux pas faire mieux apparemment. Enfin, sans doute que si, en fait, vous laissez plus de trucs. Pas le choix. Ah merde. Ouais, non, j'arrive à rien. Heureusement, on peut one shot lui. Du coup, on peut one shot lui. Dire à lui, non à lui plutôt, envoyer lui dans lui, comme ça on se prend qu'une seule contre-attaque. C'est un plein truc osé. Oh là, bam. On one-shot lui. Ça lui il meurt. Ah non, pas du tout, il est pas du tout mort en fait. Oh mais du coup je fais ça et j'ai gagné. Oh le combat s'est tellement bien passé. Je vais tenter un truc. Agent 88, je ne le crois pas. Oh, il y a un ascenseur. Mais où je vais en apprendre davantage, les mecs. Voilà. J'ai l'impression d'avoir un chapitre de retard, quoi. Je vais tenter un truc. Enfin, s'il y a encore de l'eau et du feu, c'est juste qu'il y a de la glace en plus. Enfin, ça va, je me plains pas, quoi. Oh, et glace. C'est parti pour le combat numéro 30. Je vais me faire péter la gueule. Je l'annonce. Non, c'est nul ça. Ouais. Ah, je peux plus soigner le feu, j'ai pas fait gaffe. Mais j'ai pas soigné la bonne, mais parce que j'ai pas fait gaffe. Ah oh, oui. Pas de savant, on s'en fout. Non, c'est pas elle que je vais mettre, c'est elle. Ah si, je peux. Oh, j'ai pas compris, j'ai pas vu le moment où on m'a demandé si je voulais. Ok, bon, tant pis.
De quoi? Bah j'ai dû cliquer sur recycler la pièce sans faire gaffe. Ou... Ah. Mais ça change pas grand chose. Ok, paralysie 3, c'est ce que je voulais. Continue. Ah! Alors là... Ouais, mais eux ils vont être vénères, je vais me faire des boîtes. Ouais. Terre, c'est peut-être une bonne solution. Par contre, l'électricité. Non. Ah! Mais l'électricité ne me donne pas d'électricité. Bon, faut surtout pas que je tape les électriques. Je voulais paralyser. Bon, on s'en fout. Okay. Parfait. Non, pas. Je vais juste taper et prier que ça passe. Je vais encore me soigner d'un coup. Voilà. Franchement, j'ai mal estimé la durée de vie d'une première partie parce que j'ai bien en avance quoi. Ah ouais? Ouais, je pense que. Enfin, en une heure, vous peut-être finir le jeu. Moi, j'imaginais que ça allait durer au moins entre 8 et 10 heures pour une partie pour arriver à la fin. Mais une heure, c'est peut-être gérable. Attends, les mecs, une heure, ouais. Quoi? Ouais, mais il faudrait avoir beaucoup. Faudrait réussir à pas mourir, peut-être. Ah, si, c'est possible. Après, j'ai du mal à évaluer. Moi, quand je fais une partie, que ça se passe plutôt bien, je meurs une fois. Ah ouais, sur toute la partie. Et je finis le jeu en 2 heures à peu près. Après, si on bourre et qu'on réfléchit pas, c'est vrai que ça peut gagner du temps aussi. Oh, mais non, mais là, il y a tous les trucs que je peux pas faire taper dessus. Et puis moi, je skip les dialogues donc. Voilà, donc premier combat, que des éléments que je suis fort. Deuxième combat, pareil. Et là, il y a 3 éléments contre lesquels je peux rien faire. Ouais, mais moi c'est comme ça depuis tout à l'heure, c'est pour ça que je. Et tout à l'heure, je suis mort parce que le dernier il lui restait 3 points de vie. Et j'avais rien pour le taper. Vous en êtes où du coup? 34. Ah, mais il y a d'autres petits trucs! Ah, oh, autant pour moi, j'ai pas vu les petites pièces. Je suis à 30. Enfin, je vais passer à 31, je crois. Il y a beaucoup de morts. Okay, cool. Bon, en tout cas, je vais rien dire, mais. Bah, je dis rien, vous le verrez. D'accord, il y a rien. Voilà. Non, mais je suis. C'est. Putain. Ah, je vais me faire péter la gueule. On peut soigner le feu, soignons le feu, soyons fous. Putain, je sais pas quoi. C'est peut-être la pire des idées. Je peux rien faire. Si je tape lui. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comment ça? Ouais. Je peux pas te soigner ça. Ah si, je peux peut-être soigner. Ah ouais, je peux utiliser genre ça. On va faire ça. Soigner ça pour mettre ça. Je suis quand même tellement au bout de ma vie, quoi. Ok, bon, maintenant faut que je tape le truc avec de l'eau. Ok, alors. Je me vois pas gagnant là-dessus. Mais il m'a défoncé! Mais c'était impossible, encore une fois! Mais laisse tomber! bon, okay. Je sais pas à quel point. Vous vous rendez compte que j'apprécie votre souffrance. Je pense qu'il allait dire, je sais pas à quel point vous vous rendez compte comme vous êtes nul. C'est à peu près la même chose finalement. Non mais je me dis, il y a des fois où je dois faire nimp et il y avait une solution qui me permettait de m'en sortir, mais il y a des fois où je me dis que non, que c'est juste c'est pas possible. Ça. Bon. Oh. Ouais, des fois c'est bizarre quand on se fait taper, les pièces elles bougent sur l'échiquier et du coup elles sont plus au bon endroit. Mais arrêtez de me péter la gueule. Mais c'est vraiment pas grand chose. Ouais, je. Non, je vois pas de solution. Ça va corriger ça. Peut-être comme ça. Oh! Mais non, il est pas dans le bon sens, lui.
Et bien, passe une bonne soirée, Choups. Bonne soirée. Alors. Je suis désolé si je réponds pas aux questions dans les chats parce que je galère à les afficher à cause de la connexion. Si jamais il y a des questions, si vous pouvez me les passer. Ouais, mais là il n'y a pas. Ouais, je pense pas qu'il y en ait des masses, mais si jamais ça arrive. Ouais, je peux soigner. Ah bah putain, oui, mais je suis trop con. J'ai pas regardé que je pouvais plus soigner qu'une fois, donc j'ai vu un truc à soigner, j'ai cliqué et c'est pas du tout celui qui était optimal. Bon, ça va, je peux en faire un truc, mais. Ah, même si je peux mettre ça là, je peux soigner ça et mettre ça là du coup. Ok. Et ça change que dalle, mais ça. Je suis content. Évidemment. Putain. Allez, ouais, suivant. Lui va mettre 3 dégâts de terre, je pourrais en soigner 1, ça va être la merde. Oh, pourquoi il a mis que 1? Ah non, force 1-3, ça dépend. Ouais. Et je vais mettre ça là. 7, 9, ça ne servira à rien. Je vais tellement me faire déboîter. Il y a un monde où j'arrive à tuer des trucs, mais je me fais déboîter derrière. Et là, je me prends 3 vengeances. Ah, je peux bien. Je suis pris dans le jeu, je parle quasiment plus là. Je suis pas mort, mais. Enfin, si en fait. Non, fais chier. Oui, et bah, tuez-moi, faites-vous plaisir. Il en veut plus. Il y a plus de solution possible, je pense. Non. Combat 32. Ok. Ah non, je suis pas en train de me faire la gueule. Bon, je sais pas si c'est moi qui suis nul ou si on peut mettre que 4 là-dessus, mais on va dire qu'on peut mettre que 4. En fait, dans le doute. Ah non, mais sérieux? De quoi donc? J'ai pas suivi là, ce qui s'est passé au milieu. Mais ah. Non, trop de musique. Hop, stop. Peut-être. Ah, je peux baisser un peu la musique du jeu. Alors. Comment faire encore, il y a encore plein de mecs de terre et je peux rien leur faire. Le truc qui est dur en plus, c'est quand tu meurs, tu reviens, il y a ton calibrage, il est toujours à zéro. Non, il y a 3, non. Enfin, il est pas remonté quoi. Putain, j'arrive pas à trouver une combinaison qui me plaît là, ça m'énerve. Salut Namek. Bien le bonjour, on présente Pharmacon pour supporter salut, le. Salut Namek. Le projet Greenlight. Enfin non, c'est le Greenlight, je sais pas projet. Il connaît bien le jeu, le Namek en fait. Ah bon. Bah, bon. Il m'a aidé sur la correction des textes en fait. Ah en mais je me demande si j'ai pas vu d'ailleurs son nom dans les génériques, dans les crédits. Sur mais je suis pas sûr. Oui normalement il y est dans. Enfin je sais pas si j'ai spécifié son pseudo mais en fait. Il y est. Ouais bah simplement. Du coup j'ai pas vu. Ça fait pas le prêt. Mais si tu es déjà allé sur le stream de Realme Up, t'as sûrement côtoyé le Namek. Ouais mais j'ai déjà vu le pseudo mais pas inconnu du tout. Bah Ah il était Ah d'accord. On a vu le Namek en vrai. Il était là l'ultime final 3. Bah la 4 aussi. Ouh. Non. Non, la quête je sais pas, j'ai pas eu l'occasion bah, de le voir. Bah j'ai cru, oui. Ah avec bah... son costume vert. Moi le feu d'orthographe je les vois pas souvent. C'est possible, yeah. C'est pas moi qui fais. J'ai pas dû faire gaffe. L'ultime finale 3 bon. Je suis sûr. Et la 4... Bah c'est possible mais je me souviens pas de...
de tout le monde de la carte, j'ai vu personne parce que j'étais pas là. C'était triste. Je vais me faire déglinguer. Quoique. Oh putain, c'est trop raté. Ah, apparemment, la carte c'était un sosie. Là c'était un Namek, c'était pour pas la le 4, Namek. Ah oui, c'était un Namek, pas le Namek. Ouais, ouais c'était un Namek, c'est pour ça. J'ai vu un mec en costume vert en fait, donc je me suis. Et voilà, et là j'ai fait le con, et du coup je peux plus taper les petits dans les gros, et donc j'ai perdu. Plus 1 on 2. Non, c'est nul. Et encore une fois, je fais pas gaffe à combien je peux se faire. Ça m'emmerde, tout casser mes pièces. Ah, mais. J'ai pas fait gaffe si la jauge de réparation elle se re-remplissait quand on mourait. Enfin, si elle retombait à zéro quand on mourait. C'est en fonction de. Des pièces que t'as sacrifiées. Parce que des fois je me dis, je sacrifie tout, je meurs et comme ça je recommence avec une jauge de réparation à peu près pleine. C'est la même. C'est la même. C'est la même réparte que. Que les dégâts, je crois. Ou les résistances en vrai. Ah, je suis tellement bon. Rire à la glace. C'est de pire en pire. Ouais. Ça va de mal en pire. T'en es où Zigori du coup? Je suis au combat à 31 et à chaque fois il me casse les trucs la pile comme il faut pour bien m'avoir. Je pense que je vais mourir ici. Je mets en place des stratégies de type douteuse. J'aime bien parce que tu dis genre ah ça me paraît pas mal comme pied à terre pour mourir là, je vais faire un petit cabanon ici et je vais mourir là. Ok. Non ? Bon. Cet agent a gaspillé toutes ses pièces. Si on gaspille toutes les pièces on est mort. Ah oui. Et non, et du coup ça ne marche pas du tout et on revient avec. Ok, on revient forcément à 4 et avec. Oh, oh c'est pas cool. Oh putain, la contre-attaque de malade. Ouais, et du coup, si tu reviens, genre que t'as que des trucs aux foudres, t'as pas de quoi soigner la foudre, c'est dur. Hein. Je dois aller, là. Je peux te déglinguer, oui. Je peux te déglinguer. Oh, c'est horrible. Salut, Kirsey. Bonne soirée. C'est quand même trop marrant comme jeu. Ah, je me fais. Ah, je me fais démonter la gueule. Je fais deux. Après, je me dis que ça, c'est quand même bien de la merde aussi ce que j'ai fait. Hein. Ils sont où les trucs de paralysie? C'est ce qui a l'air d'être le mieux. Au revoir. Ils sont tout le temps là. On peut l'avoir ici. C'est de la paralysie. Bah si tu sélectionnes que la terre et l'eau, t'auras 3 en coup de paralysie. Parce que j'avais mis que de la glace et l'eau parce que j'avais vu que ça allait bien ensemble, mais c'est vrai que terre et eau ça va bien ensemble aussi. C'est mon copain. Ouais, j'ai tous les trucs en paralysie, ouais bah c'est nickel. Ah voilà, je savais bien qu'il y avait une... Allez, allons-y. Et ouais, là j'ai fait électrique et glace parce que je voulais pas. Ça permet d'avoir 4 quasiment partout. C'est pas mal, je trouve. Bon, y'a oh de l'eau. Heureusement, y'a de l'eau. Bon. Bah, ouais, j'ai pas le choix. Je suis fort contre la terre et y'en a aucun. Mais sauf que je vais pas pouvoir tuer la terre encore et je vais encore me retrouver niqué à cause de ça. Voilà, je peux déjà plus me soigner. Putain, j'ai fait un truc que je me suis fait enchaîner. Bref. Par contre, c'est très angoisse. Con. Parce que maintenant, quoi, c'est. J'ai envie de me suicider encore. Oh là 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 là, il fait trop mal là. Il fait trop mal là.
Je vais faire ça. Oh putain. Putain, je vais remonter. C'est ça pour se rendre de la vie, mais j'y crois pas. Sans la fin là. Ah putain, ça sent le sang. Non. Oh. M'en fous, je vais en tuer un avant de mourir. Et eh ben non. C'est reparti. Et... j'ai le même tirage. Est-ce que ça va être les mêmes ennemis ou... bah voilà, de l'eau, du feu, de la glace. Très bien. Et faut les lecs. Alors on va voir ce qu'il a donné. Toi aussi t'es tout jeune, t'as le drone Pikachu? Ouais. En plus je peux mettre 5 pièces dès le début, c'est trop parfait. Je vais jamais réussir à passer. J'arrive pas à faire le combat numéro... je sais pas combien. Ouais, mettre-lui plus combien, par là. 34. Le 34, c'est la deuxième fois d'affilée que je meurs. Ouais, c'est la deuxième fois que je rêve au 32. Mais je crois que c'est la troisième fois au moins que je meurs au 31. Deux ou trois, je sais pas. On attend une difficulté. Je me demande si je suis pas un peu passé sur une optique de je meurs jusqu'à avoir les pièces qui vont avec les mecs en face. je suis pas sûr que c'est la meilleure solution, mais. Non, pas vraiment. Bah, je crois que j'avais fait 32, 33, 34, c'est 34, je suis mort. Là, je viens de réessayer, je suis mort direct après. On va le calmer lui. Je sais plus quoi choisir. Attends, y'a quoi qui se complète bien encore? La glace, ça va bien avec quoi? Si je peux tuer lui. Pas avec le feu ni avec la terre. Mais ils vont se vénérer, les deux ils vont se vénérer. Ouais non. Non, y'a que lui qui se vénère. La terre ça va bien avec... tiens, terre-feu, ça va être marrant. Et je peux toujours tuer lui. 7 ! Putain, ouais, y'a l'explosion d'un mec qui a fait 7 de dégâts. C'est fou ça. Non, c'est pas fou. Je suis mort. Ah non, je peux sacrifier ça pour me soigner un peu. Terre haut. En fait, ça a l'air pas mal terre haut. Mais please. Ouais, oui, c'est ça qui fait paralysie à 3. C'est terre haut. Ok, bah alors ouais. Il reste que de la terre, je peux rien faire. Allez, je tente le tout pour le tout là. Dans la merde. Ah, au glace c'est pas terrible hein. Non mais c'était bien là quand il y avait pas de terre. Ah, toi aussi t'es emmerdé par la terre du coup. Ah, j'ai pas vu, j'avais des petites pièces. Ah, fort contre la terre. Mis que... tu es mort. Ah oui, c'est... ah, j'arrive pas à le dépasser ce combat 32 là. Bon, ouais, il est full feu. Allez, j'espère qu'on va pouvoir tout cramer. Là, je suis arrivé au 32 aussi. Ils ont mis 3 en temps. Ok, je peux faire 9 ouais, à la terre. Ouais. C'est nul. Est-ce que je peux pas tuer le mec en eau là déjà pour commencer? J'aurais voulu attirer lui avant, mais si je fais ça je prends des dégâts et... ah, quoique j'aurais peut-être dû en fait, parce que je pouvais tanker les dégâts. Tant pis. Oh mon dieu. Mais y'a même, même plus de place sur le écran. C'est n'importe quoi. Bon. Jouons bien. D'accord, putain, je viens de comprendre.
En fait, l'explosion, elle est du type du monstre qui crève. Donc si t'as tué ah un ouais, vous aviez glace, bougé ça encore. Bah moi, j'ai seulement de capter, ouais. Ah ouais. Oh putain. De quoi? Mais ça veut dire... Parce que je sais pas, il y a des fois on fait plus de dégâts, ouais, mais... Bah genre, si t'exploses ben... une bête eau à côté d'une bête feu, eh ben tu feras beaucoup plus de dégâts que si t'exploses une bête feu à côté d'une bête eau. C'est ça. Mais... Ouais. C'est dans, le... c'est dans le tuto. C'est dans le tuto. C'est dans le tuto. Sérieux, mais j'avais même pas lu ça dans le tuto. Parce que ouais, moi j'ai lu le tuto, ça me dit rien ça, mais... Moi j'ai vu qu'il y avait des explosions, tout ça dans le tuto, c'était bien. Mais... Ouais, j'ai pas fait... Bon, alors bah maintenant que je sais ça... Oh putain... Bah ça va pas m'arranger beaucoup en fait, mais... Bon... Ouais, parce que... Faut savoir quel élément est fort contre quel élément... Bah après, voilà... T'as... Genre là, si j'ai de la glace et de la terre... La glace c'est fort... Enfin, la glace c'est fort contre la terre. Ouais... Bon... Je vais faire ça faire... et je vais pas pouvoir me soigner. Putain, je peux rien faire. Bon, j'arrive pas à le dépasser. On va tenter ça comme ça. Waouh. Bah, je sais pas, ça fait 5. J'ai fait tout le temps 5, j'ai l'impression. De quoi qui fait tout le temps 5? Les explosions. Enfin, je sais pas, l'autre coup j'ai eu 7 et là j'ai 5 alors que j'ai fait de la glace sur de la terre, donc je sais pas. Non, mais ça dépend aussi du de la taille de ta bête. Ah, ouais, ok. Parce qu'en fait, la bête, quand elle tombe, elle fait une déflagration en fonction de son poids. Bah, je sais pas, Jérine, si ça va être possible de s'en sortir, mais je vais essayer. Hein. C'est la troisième fois que je fais ce niveau, je vais sûrement mourir, donc... Tant mais, franchement, je pense que... il y en a moins... Enfin, c'est possible que vous finissiez le jeu. Je pensais pas que ça, allait, que ça irait aussi vite, mais... Enfin... C'est peut-être vite dit, mais... Parce que vous êtes au niveau 34, vous disiez, enfin le... Moi, ouais. Ouais, mais enfin, moi j'arrive au 33, du coup je reviens un peu, quoi. Bah ouais, non, mais franchement... vous êtes, vous talonnez, quoi, chacun l'un l'autre. Enfin, l'un l'autre. Mais oui, je pense que c'est possible que vous arriviez au bout du jeu. Je vais essayer de descendre lui. Parce que je sais pas, peut-être bon. C'est bien. Du coup, j'ai mal évalué la durée de vie. Très très mal. Oh, ça va, c'est pas. Ben, c'est. Non, mais c'est... en fait, moi, ça me dérange pas que ça dure moins longtemps. C'est juste que je pensais vraiment que ça allait. Demander plus de temps, après vous êtes peut-être juste plus intelligent que la moyenne. Oh là, c'est trop beau. Non, mais aussi on a bourré et et on oui, est mort après... je sais pas combien de fois quoi. Oui, bon déjà vous êtes mort plein de fois et je le vois que vous êtes. Je sens que je vais mourir sur ce move. Vous êtes pas au taquet quoi. Vous êtes en mode on y va quoi. Bah un petit peu parce que Sablier il était trop en avance à un moment. Est-ce que je peux soigner la foudre? Je peux pas soigner la foudre. Fais-toi paralysé. Mais je suis con. Fais-toi paralysé encore. J'ai failli là. J'aurais pas dû vendre cette pièce là. Ah non, c'est bon. Fais-toi paralysé aussi toi. Hop. Ah mais non, elle est dans l'autre sens. Ah putain, je suis sorti. Et là, je vais me prendre une contre-attaque du DC, quoi. Oh putain, j'y arrive vraiment. Ah non, même pas. Personne ne me contre-attaque. Je n'ai pas le choix. On va soigner les points de vie, quand même, maximum. Occupe-toi du calme, sois paralysé. Et maintenant, maintenant, on va faire ça là pour espérer que ça passe. Oh là 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 là. J'aime pas ce qui se passe. Mais en fait, c'est pas possible de finir ton jeu. C'est juste pour ça. Ouais, c'est qu'en fait, les plus ça va, plus on y passe du temps aussi. Hein. Oui. En fait, oui, c'est ça, ça va être 8 à 10 heures, mais juste pour le niveau 34. C'est... Je te jure. Mais vous y êtes pas encore, vous. Non, non, mais je suis au-dessus d'avant, et déjà, celui d'avant, j'ai un peu de difficulté. Ah,
Moi, c'est le tirage qui m'arrange pas, quoi. C'est... Ah, puis c'est le moment où la seule pièce qui est utile, tu te dis qu'il faut la détruire si tu veux avancer, quoi. Un truc. Est-ce qu'en cassant ça... Oh, mais ça me donne rien, quoi. D'accord. Allons-y. Faudrait que je casse la glace pour être fort contre la terre. Casser le feu. Vendons ça. Putain, mais c'est pas possible. Ça m'a l'air d'être la pire idée ce que je fais. Hein. Mais c'est pas possible. Non, en fait, ça permet d'être une si pire idée que ça. Ça permet d'aller au niveau 34, moi. Y'a un ascenseur. Ah, le fameux ascenseur. Ouais. Ah, mais t'es encore à l'ascenseur. Mais oui. Putain, mais c'est fou, du coup. Enfin, là, je me rends compte du temps depuis... Oula. Ouh, le monsieur, il a l'air un peu malade, là, dans le coin. En plus, c'est une révélation, c'est une l'ascenseur. En même temps, je sais pas peu... c'est quoi, ils fabriquent des bêtes cheloues là. Il y en a une, elle est sortie. Il y a toutes les bêtes du monde un peu là. Bon, je crois que... 1, 2, 3... Il y a pas... Ah si, il y a de la glace. Il y a tous les types. Bon, bah, comme ça, hein. Pas de jaloux. Bah, c'est surtout que t'as tout, tout ton truc qui est recouvert de... Putain, mais... Il doit, les contre-attaques, enfin les, quand tu dois les énerver vite et après ça doit partir en couille, je pense. Cette mission. Bah ouais, ça doit être ça. J'arrive vraiment pas à la gérer. Enfin, j'imagine que c'est ce qui se passe quand tu prends. Ok, j'ai de quoi réparer l'eau et le feu, donc je vais taper sur le feu et sur l'eau plutôt. Ça me paraît être le choix de la lucidité. Non, j'arrive pas à placer comme je veux. Ça fait mal. J'arrive pas à les placer 5, donc en plus je suis dans la merde. Bon. Donc en gros, lui, je le one shot. Lui, je le two shot. Donc on s'en fout de. Il faut que je défonce tout ça. Ok. C'est pas contre la terre, c'est pas contre le feu. Là j'ai tapé dans de la glace donc je faut que je mette ça. Ah mais oui mais la glace il faut pas parce que je peux pas la soigner, j'avais oublié. Enfin si je peux la soigner mais faut que je vire ça mais du coup je fais plus trop de dégâts. Tapons la terre, soyons. Pas trop ça. Non, tu les gardes pas entre les morts. Moi j'ai pas l'impression. C'est déterminé en fonction de ton type de... La réparation? Ouais. Ouais non, tu gagnes, t'as genre... comme si t'avais eu une pièce en gros en plus. Donc c'est suivant ton type, ouais. Je suis en train de préparer un truc, mais je vais me faire défoncer si je le fais donc. Bah, même sans le faire, je me fais défoncer. Hop, hop. C'est mieux comme ça. 13 à l'eau, 13 à l'eau. Ok. Ah, oh, je peux tuer lui, ça partira en couille, je pense. Allez, tentons. Oh oui! Oh magnifique! J'en ai tué un et ça en a tué 4. Il a tué un mec et l'explosion a tué un autre mec, et après il y avait une autre explosion qui a tué encore un autre mec. Bien joué. Je suis assez fier de moi. Et j'ai pris que des dégâts de feu au final, et c'est le seul truc que je peux soigner bien. Bon, c'est parfait. Parle pas de dégâts de feu parce que là...
Je suis en train de me faire, mais... je vois ça. Ok, là on va refaire des explosions. Bah, j'ai perdu encore. C'est... Pourtant, la strat était pas mal. Là, j'ai tout placé autour du truc d'eau. Tous les trucs de feu autour du truc d'eau. J'ai fait exploser le truc d'eau, ça fait... Ah, mais je crois que j'avais déjà réoublié cette histoire de type. C'est pas mal. Allez, mais je vais la gagner, cette mission. Putain, GG. Là, je peux pas la perdre, je pense. Je pense que c'est trop tard, maintenant. Ouais, c'est bon. Ah, combat 34, premier coup, hein. Je trouve que franchement il est vraiment. Putain, et encore. Ah putain, je le passe enfin le 32, quoi. Attends, j'avais. Les éléments étaient vraiment contre moi, j'en avais marre. Je comprends. Allez, comment je peux te remettre une pièce de plus si je veux? Mais je suis sûr. Je dois me le mettre. Et là, je peux en bouger plein en fait, c'est trop cool. Je suis que 8 au feu, mais je peux soigner le feu un peu. Allez, embêtons le feu. Espérons prendre qu'un dégât. Ouais, un dégât ça aurait été mieux, mais c'est pas grave. Du coup, bah non, j'arrive pas à les placer là. Bon. Allons-y. Je peux soigner l'eau, quoi. On va faire de l'eau, on va taper l'eau. Ça y est, encore 11 monstres. Mais toi t'en avais pas 11 au combat contre numéro 34 là? Je sais pas, non, je sais pas, peut-être 10, 11, 10, je sais pas trop. Ouais, mais enfin tout était plein quoi, quasiment. Sauf j'avais deux espaces, je crois. Si c'est comme là, comme le 35, j'avais deux espaces. Ah, moi j'en ai qu'un. Chaque fois. Mais peut-être je confonds. Non, c'est possible. C'est à ce stade là, c'est 10 ou 11 bêtes. Ah. Peut-être 9 des fois, mais je suis pas trop sûr. Je me souviens pas très bien de tous les équilibrages, mais c'est possible que ce soit 10 et 11. Bon, je suis dans la merde, quoi. Moi, je vais faire de la conduction, et comme ça va tuer lui, en plus de tuer lui. Parce qu'en plus, ce qui est horrible, là, c'est que je suis de type feu. Donc je peux pas taper les trucs feu. Mais pour taper les trucs feu, j'ai besoin de taper les trucs haut. Mais comme je suis du type feu, je peux pas non plus taper les trucs haut. Donc. Ouais, c'est ça, mais tu peux te servir de la corpulence des autres bêtes pour les balancer dessus, quoi. Mais attends, mais par contre, j'ai des types électriques là. Alors, comment je vais gérer le machin? Ça, c'est un contre le feu. Comme ça. Ouais, mais comment est-ce que je fais? Ouais, je peux pas tout changer. Sois gentil, toi fais pas trop de dégâts du feu. Il en a fait deux. Je peux soigner un, il en a fait deux. Quel salaud. Après, Sablier, je t'avoue que t'es dans une situation qui est assez délicate parce que t'as toujours un seul élément et t'as au taquet de bête, du coup c'est. C'est un des cas de figure les plus chauds à gérer. Ouais, enfin bon, quand je suis arrivé là tout à l'heure, je suis mort. Je pouvais pas gagner. J'avais enchaîné le 32, le 33 et au niveau 34, j'avais plus rien pour battre. Bon. Donc là, qu'est-ce que je peux faire ? Ici, c'est ça que je voulais faire. Un peu vénère, beaucoup vénère, un peu vénère, un peu vénère. Que je paralyse lui. Ah non, il est dans l'autre sens. Shit. Ah merde, je me suis trompé de sens. Ça fait chier. Ok,
Je vais mourir. Tu vas mourir. Il faut que je puisse soigner de la terre. Je vais sacrifier ça. Comme ça. Je vais plus mourir. Horrible. Je vais envoyer lui dans l'autre en au-dessus là. Allez. Ensuite j'ai tué lui, on va voir si ça va faire des explosions. Oh là 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 là. Ok. Très bien, très bien. Maintenant je vais. Ouais, je vais me soigner avant de mourir. Alors, elle. Des pièces de réparation. On va tuer lui, ça va tuer lui. Voilà. J'avais pas pensé à la contre-attaque des mecs vénères. J'ai pas du tout pensé. On va tuer lui. Ah mais non, je vais mourir. J'ai vu juste après avoir cliqué que ça fallait pas cliquer. Et là je pense que je vais être dans la situation de sablier. Ça va être l'angoisse. Bien joué. Genre là j'ai les glaces. Je suis contre. Ah, ça peut-être aller. Je suis pas convaincu. T'aurais joué pas vite. Pas trop vite, pas trop tôt, enfin je sais pas comment dire. Mais en plus, enfin, après peut-être que je me trompe, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse retourner dans les premiers niveaux pour farmer des des modules. Non, on peut pas. C'est trop facile hein. Enfin, si tu peux, si tu arrêtes ta partie, tu reviens au début, tu peux les farmer comme ça. Mais oui, là non. Ouais mais même pas souvent, tu peux pas tant que ça les farmer parce que tu pourras pas faire plusieurs fois les niveaux ou... Non, ouais, sauf si t'as vraiment de la chatte et que tu tombes sur des pièces qui font que tu puisses garder un certain temps tes premières pièces, mais non, c'est très rare. On peut en avoir que 6 de toute façon, enfin ceux dans le module plus 6, on peut pas en cacher d'autres dans les poches ou... Non. Et puis même, tu peux pas en avoir autant que ça. Alors réfléchissons, on est nul contre le feu, donc il faut réussir à faire que les gens ils tapent le feu. Ouais. Je peux me soigner que de 1 de feu, je la sens pas du tout cette histoire. Je peux me soigner la terre, mais la terre je vais pas prendre de dégâts vu que de toute façon je vais one shot le mec. Je peux soigner un peu l'eau, mais l'eau ça sert à rien de bouger, c'est le feu qu'il faut que je bouge. Salut Nétrode, vas-y balance ta blague, ça me fera rigoler un peu. J'ai encore soigné sans réfléchir. On s'en fout. Pour une fois. Bah voilà. On va le mettre là et on va essayer de. Allez. Ah mais je me fais défoncer. J'ai c'est pas combien pensé. C'est la sixième fois que j'essaie de faire ce niveau. Attends, déjà je vais changer, je vais pas. Je vais retourner avec R.O. C'était pas mal ça. Ok, je peux pas faire grand chose de plus. Et on se fait péter la gueule. Il devrait mourir. Mais je me fais. Alors. J'aurais pu les paralyser pour pas me prendre la contre-attaque. Ça aurait été une idée. Ah. Une idée. Bon, déjà, je tombe sur un pattern où il n'y a pas de mec enflammé. Donc je suis plutôt content déjà. Comparé à tout à l'heure. T'es un type qui aime pas trop le feu. Les inflammations. J'ai de la glace et il y a 4 rayons en glace. Ça fait terre. Lui va mettre un petit coup de foudre, mais c'est pas grave, on va faire se soigner. Oh, on va casser ça pour se soigner ça aussi. Bon. Mais ça fait que 1, mais c'est marqué 4. Ah, mais c'est du feu et j'ai bu de la terre. Ok, très bien. Alors. Faut lire, bien. Si on peut envoyer lui là-dedans. Ah oui, mais non, je suis mort. Contre-attaque. Ah, bon. Je suis pas mort. Pas encore. Non. Qu'est-ce que tu veux faire?
la personne elle a juste dire mais... Ah ouais d'accord. Mais c'est quoi ce mec? Putain à la fin du jeu quand tu meurs... Enfin à la fin du jeu je sais pas mais... Au 35 là quand tu meurs c'est pas cool hein. Mais comme je te comprends. Je suis fort contre la glace, la terre et la foudre et en face. Ah y'a de tout. Il y a surtout du feu et de l'eau. Bah allez là. Ah puis en plus ils sont mal passés. Est-ce que quelqu'un a compris la blague de d'être froid ou pas? Parce que je suis largué là. Ah, en gros, on lui a demandé on est quel mois? Moi quand tu genre quand tu parles de toi. Ah oui. Wow, d'accord, ok ouais. D'accord ouais c'est ça. Ouais ok. D'accord merci. Et là t'es déçu souvent de pas avoir compris tout seul quoi. Ouais, parce que du coup la blague elle est encore plus nulle. Très bien. Merci d'être froid. Mais leur placement il m'arrange pas en plus là. Vous m'arrangez pas les mecs, vous m'arrangez pas. Mais mon dieu, mais je vais jamais réussir. Toi, comment tu veux être fraude? Bon, ça, ça meurt, ça explose, ça tue ça, ça explose. Ah non, ça tue pas ça. Attends, en plus ça. Bah, je le tue ça. Oh, lui, il va se vénère. Je l'ai vu, mais après. Sablier, j'ai pas suivi ton combat, mais est-ce que tu. Tu prends en compte les dégâts collatéraux des explosions en fonction des éléments Ok, là c'est, ça se passe bien sauf que j'ai pas assez de quoi me soigner et je vais encore perdre à cause de ça. Ok, je reviens. Essayer de faire venir lui par ici. Ouais je vais tuer lui. Mon dieu. Merci les petits bonhommes. Ok. Ah zut. Bah plus Algérine. Bonne soirée. Au revoir. Salut Algérine. Ok. Mmh. Ok. Ok. Oui, j'ai donc particulièrement été stupide, j'ai décidé de tuer tout ce que je pouvais tuer facilement. C'est le seul moyen que j'ai pour gagner. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Du coup, je te redis bonne soirée, Gérine, dans le cas tu n'avais pas entendu. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je sais ce que je peux faire. Mourir. Impossible. Je veux bien les envoyer se taper les uns dans les autres, mais. J'arrive pas! Mais ça ne m'apporte pas grand-chose au final. Ouais. Bon après je pense que lui je le tue au mauvais endroit. Et voilà, et la revanche, quand t'arrives à taper 4-5 mecs d'un coup t'es content et après ils se revengent tous en même temps et en fait t'es mort. D'accord. Moi j'étais à 2 ou 3 tours de finir et je suis mort et du coup là je recommence et ça va être impossible à faire. Par contre je comprends pas le calibrage, tout à l'heure j'étais à 4, là je suis revenu à 5 et le coup d'avant j'étais revenu à 3. Tout ça. Ben ça dépend de combien t'as consommé avec ta capacité. Ouais mais j'étais après un game over. Enfin je pensais qu'on avait toujours le même nombre en commençant. Mais moi là je suis à 5 depuis tout à l'heure à chaque fois que je recommence. Peut-être ou alors j'ai pas fait gaffe et c'est peut-être à partir de la mission. Mais c'est... Ouais, je sais pas. Je suis pas sûr de voir de. Ah.
J'ai un doute du coup. Je suis fort contre le feu, il y a plein de feu dans le milieu. Alors en dessous, il y a de la terre, il y a de l'eau. Bon, je peux pas vraiment mieux placer ça, ou alors je vois pas. En plus, je peux bien soigner le feu. Même si j'ai rentré dans la même merde tout à l'heure en fait. Bon. Et j'ai pas d'eau. Ah si, ici. Si. Alors ça suffira pas pour défoncer lui. Bon, je voulais pas faire des situations en chaîne comme ça dès le début. Mais quel enfoiré! Et il a fait 3, bah du coup je suis bien niqué. Sur lui pour le tuer, calmons-le. Moi je peux tuer la glace par contre. Ouais. Donc, je peux tuer la terre qui est là, ça va tuer ça et ça. Peut-être. Ce qui va peut-être pouvoir tuer ça, mais c'est pas sûr. Et si ça tue pas ça, je suis dans un gros merdeux. Ouais, je tente. On va le paralyser pour pas qu'il fasse trop de dégâts à l'autre là. C'est plus simple. J'ai l'impression que moins je fais mes actions pif, plus j'ai du mal à gagner. C'est n'importe quoi, oui. Je fais ça. Après, je fais ça et j'ai gagné. Y'a moyen que je le gagne celui-là. Y'a moyen que je le gagne parce que déjà ils sont que de... 9. Ah ils sont que 9. Ouais. C'est pour ça que je me dis que j'en... si je perds celui-là, je crois que j'arrête pour la soirée. Parce que... ça voudrait dire que vraiment... Ok. Bon. Oh c'est les 3 meilleurs éléments et un petit foudre comme ça. Ok. Okay. Par contre... Ah, je vais juste faire un screenshot de... du terrain de sablier pour voir si jamais tu perds, si j'en perds. Une pièce. J'aurais dû le faire avant pour les autres. Hop, le premier écran. Ok. Pour essayer de trouver la solution après. Ben pour voir parce que normalement, enfin avec le nombre de tests qui ont été faits, je pense que ça doit être gérable, mais je sais pas si. Enfin. Il y a des façons d'établir la stratégie que moi j'ai l'habitude d'avoir parce que ça fait des plombes que j'y joue. Mais du coup je sais pas si vous y pensez parce que j'arrive pas à suivre tous les streams en même temps et du coup je sais pas trop comment vous élaborez votre combat, votre tactique. Et du coup je me demande si avec ma tactique si on pouvait pas battre les niveaux sur lesquels vous bloquez. Du coup j'ai fait un petit screenshot. Là, j'aime pas ça, j'ai des nouvelles pièces mais du coup je suis obligé de tout casser juste pour me soigner. Je me retrouve dans la situation pourrie d'avant où j'ai plus trop de pièces en fait. Il m'a attaqué à retardement lui. Ah c'est dommage. Mais surtout là je suis en train de me demander si
si vous pouvez éviter la situation qu'il y a de temps en temps dans FTL qui dit bon ben là je vais dans le fion, faut que j'abandonne et que je recommence depuis le début. Un sentiment très très peu courant dans FTL. Oui, très très peu courant. Ah non, du coup j'ai faut pas jouer en hard quoi. J'ai essayé de faire de mon mieux pour éviter ça, mais c'est vrai que des fois c'est compliqué. Et du coup, normalement, on peut se débrouiller toujours au fur et à mesure, mais j'ai toujours un doute, quoi. Moi aussi, j'ai un doute. Là, Ouais, Jean-Michel Glace, ils aiment pas trop le feu. Gros doute m'habite, comme on dit. Ah, le problème, ça. Bon. Allez. On va se déplacer là et on s'en fout parce qu'on peut se soigner. Allez, Jean-Michel, tu signes la victoire là. Ouais, j'ai envie de ça. Ça passe. Il va faire que 1. Bon, il a fait 2, mais à des endroits où je m'en fous. C'est comme s'il avait fait que. Oula, ça sent jamais la victoire quand même là. Je sais pas. Si passé. Ah oui, il me reste 6 points de vie. Et ça. Et ça. Et 4 pièces de drone. Et que je peux peut-être toutes mettre d'ailleurs. Voyons voir quel genre d'expérience. Et lui, j'ai encore moins envie de taper. Ah, merde. C'est un étourdi qui joue à FTL sur PC. Il ne fait qu'appuyer sur espace quand on lui demande. Il dit, bah c'est là que ça se passe, non ? C'est une blague de Deathrot, ça. 100%. Oh, il est méga vénère. Ils sont tous méga vénères. Ah, mais ça va. On fait ça dans lui. T'as réussi le 35ème là. Là je suis au 36. Oh, j'ai réussi le 36, j'ai même pas fait exprès. Ça fait une. Ça fait. En fait je voulais pousser un mec et il est mort et ça fait une 5 ou 6 explosions, ils sont tous morts. Et après il y a un mec qui tousse. Ça fait cough cough. J'aime bien, j'ai réussi, j'ai pas fait exprès. Ah non mais 100%, j'ai vraiment. Je me suis dit vas-y je le pousse et après je tue lui et c'est bon. Et en fait c'était déjà bon. Bon. Et du coup, je trouve des pièces de feu. Ah, qui te permettent d'être forte contre la glace. Et là, il y a pas de glace. De même. Il y a de l'eau et du feu, et je trouve des pièces de feu. C'est pas gentil. Oh non. J'en ai marre. On est à quel combat? Ouais, j'arrive pas à dépasser le 33ème. J'ai toujours des éléments de merde. Ah, mais attends, mais j'ai deux trucs en plus là. Putain, ça faut vraiment. Je sais pas que je sens tellement pas ce combat. Pourquoi par exemple tous les 10 tours on reçoit pas une pièce, tu vois? Ce serait pas plus. Enfin, je sais pas, je préférerais quoi. C'est pas cohérent d'où elle vient ta pièce. Ben on a. Elle était dans un animal, attends. Il est mort, il a laissé une à chaque pièce. Fois qu'il y a quelqu'un qui crève, il y a un nouveau druide avec 6 nouvelles pièces du même type qui arrive et ça te choque. Et ça te choque tous les 10 tours. S'il vous plaît. Il faut soigner le feu, on va y aller, on va voir ce que ça fait, mais je pense que ça va être la merde. J'y crois pas là. Mais genre lui avec son eau là, il va tellement de la mettre. Ah, je défonce l'électricité, il y en a aucun.
Ouais, Vandal, c'est un peu chaud pour toi, là. Mais tu peux t'en sortir si... si tu joues bien. Sans déconner. dans 5 minutes, là, tu seras mort. Je suis au bout de ma vie. Ah mais non, mais j'ai pas vu que lui il était vénère aussi. Ah mais en fait ça va, il est pas si vénère que ça. Alors là... Faut pas trop dire ça. Comment je vais faire? Là je peux mettre le petit carré ici encore. Ouais, si je vais faire comme ça. Bien sûr. Vous tenez bien la distance en tout cas, pas lâcher le truc. Moi j'ai pas tardé à arrêter malgré tout parce que c'était un petit peu tard. Il faut pas qu'on fasse tout parce qu'après. Bah là vous êtes pas très loin de finir. Hein. Bon j'ai dit la même chose il y a une demi-heure mais. Ouais, mais il y a une demi-heure on était à deux combats quoi. Et une demi-heure, voilà, y en a qui ont bougé, moi j'ai pas bougé. Ah non, il y a une demi-heure, moi j'ai fait un combat en une demi-heure. Ah non, quoi, oui, c'est vrai, j'en ai fait un il y a une demi-heure, je suis passé de 32 à 33, ouais. Non, mais moi j'ai perdu là, je peux réfléchir comme je veux, je meurs sur le prochain coup là. Ah non. Oh putain, je suis pas mort. En effet, je peux faire ça. Mais si jamais vous en avez marre de moi et que vous recommencez le jeu par exemple, avec le sans tuto, vous allez voir les jusqu'à la moitié du jeu, ça va aller assez vite. Maintenant que vous avez chopé plein de trucs, ça sera pas plus facile, mais pour vous, ça sera plus facile autant que vous aurez compris les ficelles. Ouais, parce qu'il y a tellement de trucs. Déjà, là, je suis pas encore sûr d'avoir tout bien intégré. Vous avez compris, quelle ficelle. Ah, toi t'es fatigué. Voilà. Bon, est-ce qu'il était faisable celui-là au moins? Là, je vois ce que tu veux dire. Parfois vaut mieux recommencer parce que on est tellement nul que. Non, c'est pas question qu'on soit nul, c'est qu'avec le. Ouais, le dernier essai. C'est beaucoup plus dur à la fin quand justement t'as des pièces d'une seule couleur. Ouais, mais là, mais. Genre là, par exemple, Zigoui qui râle là, qu'on entend râler, ben c'est parce qu'il a qu'une seule couleur. J'ai que du feu pareil, et en face, il y a plein d'eau. Il y a de la glace un peu quand même. Il y a pas de feu? Parce que moi, tout à l'heure, j'ai vu ça en plein d'eau. Il y a deux feux, il y a trois eaux. Et il y a trois électriques, il y a deux glaces et un terre quoi. Le tirage inverse, c'est allé, mais là, c'est pas cool. Bon, je peux toujours one shot lui là pour commencer à foutre la merde. Bon. Derrière, je vais. Ouais. Oh, mais si je one shot ces mecs là, c'est pas terrible. Bon, allez, rien à foutre, on tue ce qu'on peut le plus vite possible. Et on regrette après. Ok. J'ai plus soigné un truc là. Ça fait chier. Ça. Ah, pas de difficulté chez le méchant. Wow. J'avais pas pensé. Oh, je me suis pris une contre-attaque. Ils ont été genre 7 à me taper dessus d'un coup. Je me suis fait ouvrir. Ouais, et là j'ai 5 calibrages. Ouais, je sais pas comment ça marche. Peut-être suivant la mission. Ouais, ils sont bien rangés. Ouais, genre, je suis en plus dedans. Non, mais la glace, je peux pas la tuer. Ah, ça je peux. Ça je peux. Ouais, Vandal, ouais, j'ai suivi un peu ce que t'as fait. Et non, ça pouvait pas marcher. De toute façon, là, ça fait je sais pas quoi de couper, je peux rien faire, j'ai un élément.
plus de la moitié des ennemis sont. Ils prennent 0. Donc, ouais, moi c'est pareil. Je veux bien faire des mix d'explosions, c'est d'ailleurs une très bonne idée ce genre de truc, mais voilà. Après, quand t'as une dominante d'ennemis où tu peux pas passer, bah ouais, c'est tu peux pas passer. Mais bon, troisième élément, y'a pas de foudre, y'a pas de. réfléchissons. Non, j'arrête de réfléchir. Je tue lui. Ouais, du coup, bah, je vais donner mon verdict. Ah, franchement, le jeu. Il y a une. La difficulté, je trouve quand même, elle est bien gérée. C'est, ça progresse petit à petit. Les mécaniques sont intéressantes avec l'histoire des aimants, les dégâts d'explosion également. Du coup, ça fait des ricochets. Tu peux faire. Niveau stratégique, c'est un truc qui est très appréciable. Mmh. Cool. Donc après comme a dit Sablier, ce serait, je trouve, pour moi c'est une bonne idée, soit quand tu tues un ennemi, bah il te lâche un élément, un objet, pièce. Ouais. Une pièce, ça peut être pas mal. Également qu'est-ce qui pourrait être bien, c'est après ça c'est une idée, mais que au moins tu puisses faire des dégâts, même si par exemple tu vois c'est au contrôle. Ouais, je repense à Pokémon, tu vois, c'est là, si tu fais au contrôle, le Pokémon d'en face il prend quand même quelques dégâts. Donc là, le fait que tu sois à zéro parce que c'est le même élément, je sais pas, je reste assez dubitatif. Après, c'est l'équilibrage, c'était peut-être prévu comme ça, hein, je sais pas. Ouais, là au niveau de l'équilibrage, j'avoue que changer cette valeur là. Parce qu'en fait, on joue avec des valeurs assez, assez étriquées. Du coup, ça change pas mal la donne, ça reconsidère un peu tout l'équilibrage. Donc c'est une modification qui est peut-être un peu trop dangereuse, on va dire, le jeu. Mais après, je comprends bien le on va dire, le souci. Ou même la perception que tu as du jeu. Et du coup, je sais pas si je pourrais intégrer un équilibrage basé sur ça. Après, tu fais comme tu peux, quoi. C'est juste une suggestion. Ouais, ouais. Et moi, j'avais une question, c'est que notre drone, je sais pas du coup si c'est une version définitive ou si vous avez encore apporté d'autres ajouts, je sais pas. Mais avoir, tu sais, un drone avec différentes formes peut être une bonne idée aussi. Ouais, alors ça, le code, on va dire, du jeu, il est prévu pour pouvoir être avoir on va dire un damier de positionnement des pièces comme je le veux. Donc je pourrais faire un drone en forme de dauphin ou de bite, ça marcherait. Sauf que il faut dessiner tout le tour, donc l'armature du drone. Et ça, pour l'instant, je l'ai pas prévu dans comment dire, dans mon planning de trucs à faire. Bah, ça prend quand même pas mal de temps. Ouais, je me doute. Pour l'instant, c'est pas encore prévu au programme, mais effectivement, c'était une idée qui était déjà prévue. Le code peut le supporter, on va dire. Sachant que même à une époque, tu pouvais même construire ton drone, en fait, placer toutes les pièces, enfin tous les carrés du damier, pardon, comme tu le voulais. Mais je l'ai abandonné parce que c'était un peu trop. Demander peut-être un peu trop aux joueurs. Je me disais que c'était peut-être pousser l'investissement du joueur un peu trop loin. Donc je savais pas trop. D'accord. Mais ouais, oui, effectivement, je veux juste dire que les formes de drone, ça pourrait être sympa, ouais. Et ouais, c'est. Après, bah, c'est. J'ai également conscience des capacités, tes propres capacités également. Je sais pas si t'as une équipe ou si tu travailles avec d'autres personnes. Je pense que oui, parce que j'ai jeté un petit coup d'œil au crédit. Je vais juste faire une précision sur ça. En gros, qui ont travaillé concrètement sur le jeu, vraiment concrètement, il y a moi, le musicien, donc enfin, le compositeur qui fait la musique, et une traductrice qui a fait les dialogues en anglais.
Mais sinon, les autres gens qui sont cités dans les crédits sont des gens qui m'ont plutôt conseillé sur des... Genre, par exemple, quand vu que j'apprenais à ramer en même temps que je faisais le jeu, ils m'ont dit, bon, ben, tu ferais mieux d'utiliser telle ou telle méthode ou telle chose pour que je puisse avancer. Ou ils m'ont aidé à comprendre pourquoi ça buguait à tel moment. Mais en gros, c'est on va dire que les 9 dixièmes du jeu, c'est de moi, en fait. Du coup, tous les graphes, tout le code, c'est le game design, tout ça, c'est un... Ah ouais, pour une personne, c'est déjà très très bien. C'est, ça, ben, j'ai rien à redire. Non, non, c'est pas question de ça, c'est juste pour dire que... du fait que j'ai tous ces aspects à gérer, c'est... j'ai eu des choix à faire sur à quel point je développais le jeu, parce que ça me prenait trop de temps et que j'étais... c'est trop compliqué de gérer ça tout seul, quoi. D'accord. Juste pour dire ça, quoi. Ah non, mais il n'y a pas de souci, hein, comme je dis, c'est déjà le résultat qu'on a sous les yeux pour toi qui a fait 9 dixièmes du jeu, c'est vraiment très très bien, quoi. C'est... Enfin, oui, franchement, après, ça c'est top. Hein. C'est quand même c'est 3 taf, quoi, donc ouais. ça se fait pas d'un clin d'œil. C'est sûr. Mais oui, après... qu'est-ce que je fais? Oui, donc pardon, je t'ai coupé, du coup, tu voulais dire... Non, moi j'étais d'accord avec l'idée que avoir une petite drop de pièces de temps en temps, un petit peu plus de pièces peut-être. Mais je sais pas. Ouais. Parce que là, enfin moi j'ai pas. Enfin, dans les combats, on puisse en avoir une ou deux. Les drops de pièces. C'est genre tous les deux niveaux d'affilée, c'est... Non, c'est pas du tout lié à ça. Ouais. C'est en fonction de ta façon de jouer, en fait. D'accord. Ouais, parce qu'après on a pas bien compris aussi. Il y a un autre truc que je trouve qui aurait pu être cool, c'est d'avoir un visu sur quand on choisit là les rayons qu'on a au début de chaque mission. Vu qu'on sait pas trop les bonhommes qu'il y a à venir après. Mais sur quoi du coup? Bah qu'on sache en fait le groupe d'ennemis qu'on va avoir quand on choisit les rayons. Pour se dire genre par exemple il y a beaucoup d'un type, il faut mieux que je mette de la conduction plutôt que tel truc. Ah ouais mais c'est comme si tu disais je sais voir à travers... Enfin je sais voir dans l'avenir quoi. Bah je sais pas comment est-ce que le truc il a été vu, mais si c'est considéré qu'on est en train de faire notre truc et qu'après on avance et qu'on tombe dessus et qu'on a plus le temps ou quoi. Et une sorte de plan de guerre en fait, c'est un peu comme pour prendre l'exemple, je vais vous expliquer rapidement, c'est comme Fire Emblem Awakening, c'est tu commences la bataille, j'explique hein, si vous l'avez pas fait, c'est en fait, moi, je connais pas, ouais. Avant de commencer la bataille, t'as déjà un visuel sur la map. Il y a tel ou tel ennemi, et du coup, avec les unités que t'as, tu peux faire ta petite troupe en conséquence des ennemis. Par exemple, admettons, il y a beaucoup d'ennemis volants qui, eux, sont sensibles aux archers, bah tu vas privilégier les archers, par exemple. C'est ça ce que si vous voulez dire, en gros, c'est visualiser les ennemis que tu vas voir juste après. Mais après, c'est pareil, c'est des trucs, vu qu'on a 4-5 heures de jeu, être à 4 heures de jeu grand max, c'est possible que après ça aille mieux, parce que là je vois j'ai le truc où j'ai 3 en paralysie et du coup je garde ça et je fais que de la paralysie. Et en plus la para... enfin après ça dépend du style de jeu de chacun, mais la paralysie c'est une compétence très spéciale parce que en dehors du fait qu'elle stun, elle réduit considérablement les dégâts, du coup, se reposer dessus complètement, c'est assez délicat. De toute façon, chaque compétence, se reposer dessus, ça peut être un peu compliqué. Ouais, après, ce que j'ai trouvé cool aussi, c'est qu'elle permet de calmer la rage, la paralysie. Comme souvent, ils partent en couille au niveau rage. Oui, ça dépend, oui. Mais après, j'ai envie de dire, c'est quelque chose que j'espérais, que je pouvais pas trop tester, parce que des gens qui ont joué au jeu aussi, il n'y en a pas beaucoup. Et vu que moi j'étais on va dire enclavé dans ma façon de jouer, j'étais pas sûr que les joueurs trouvent de nouvelles stratégies. Et comme vous avez tous un peu joué différemment, il y a des choses que moi j'aurais fait autrement qui m'ont peut-être permis d'avancer ou de perdre dans certains combats. Mais du coup au niveau des
des capacités. Moi, en fait, vu que j'ai testé le jeu au fur et à mesure que je l'ai développé, au début, ces capacités n'existaient pas. Du coup, j'ai tendance à moins les utiliser que vous. Et il y a certaines choses que je fais et qui me permettent d'avancer. Là où vous pouvez, mais il y a des choses que vous faites avec les capacités que moi j'ai pas l'habitude de faire et que du coup vous avancez. Et le style de jeu de chacun va vous faire avancer à certains moments différemment. Et je sais plus où est-ce que je veux en venir. J'en ai marre. Arrêtez d'essayer de me tuer. Tout ça pour dire que des fois en fait il y a des moments où on s'enclave dans une façon de jouer ou alors qu'il faudrait tester d'autres trucs ou... alors qu'il faut ouais c'est ça ou qui enfin c'est il y a pas mal de fois il faut abandonner ou prendre sur soi pour avancer, on va dire. C'est pas abandonner, mais il faut laisser de côté certaines choses. Et puis il y a des fois où avancer. Tu fais pas gaffe. Tu vois pas la contre-attaque se faire et tu te dis c'est bon, j'ai un bon coup. Ah ouais, et bah, derrière, il y a la revanche des mecs. Et ouais, je t'ai pas oublié, toi. Tu prends 15 verres dans la tronche. Et tu te fais couvrir. Zigoui nous a fait un bel exemple à l'instant. Là, je me suis dit c'est bon, je les bouge et c'est gagné. J'avais avancé à la contre-attaque et c'est pas gagnant. Ouais. Mais ouais, sinon, ouais, le jeu est cool. Et... À part. Bon, tant mieux. À part, ouais, je sais pas, quand t'as peu d'heures de jeu. C'est vrai que c'est vachement chaud. Tu bloques. Disons qu'au début tu meurs une fois. Tous les trois niveaux tu commences à crever en boucle et puis après. Là, 34. Après j'ai juste eu du bol parce qu'il n'y a pas trop de. Enfin j'ai une bonne. Oh non putain! Non franchement là je croyais que c'était bon. Hein. Là je croyais vraiment que c'était bon. Et en fait je suis mort. Ouais, c'est vrai que. Je dirais que c'est. Qui est dommage, quoi. Enfin, si tu connais pas. À force de mourir, en fait, tu te fais. C'est un effet boule de neige, un peu. Ouais, je trouve que le départ, il est pas facile de quand t'es mort. Après. C'est possible aussi que ce soit juste parce que le journal. Alors, je suis désolé, mais j'ai une coupure juste au moment où. Je crois que c'est Sablier qui parlait. Ouais, je disais qu'il y avait quand même un effet boule de neige quand tu mourais. En fait, au fur et à mesure, bah, forcément les niveaux ils étaient plus en plus durs et donc t'es au bout d'un moment. Enfin, moi clairement, le niveau 34, j'ai bien dû le faire 7-8 fois avant de le passer là. Et... Ouais. Et enfin, bon, moi j'ai trouvé ça fun, hein, mais ça peut être quand même. Vachement frustrant. Surtout que bah juste derrière le niveau 35 c'était impossible pour moi de le passer vu que j'ai galéré comme un fou sur le niveau 34. Donc j'étais obligé de mourir sur le niveau 35 et de recommencer à galérer, tu vois. Enfin, ouais. Moi je vais pas mentir, quand genre j'ai des blocs et que en face les trois quarts des ennemis ils sont soit ils prennent 0 soit un dégât, je vends tout et je recommence. Hein. je suis passé sur une stratégie un peu plus bois parce que. Ah, oui, c'est une retraite stratégique en soi. J'ai fait pareil à un moment, j'ai pas le bon truc et je tente le truc. Quand ça me paraît impossible, mais bon, après. Ah, moi j'ai quand même toujours tenté. Mais... Ben, en fait, c'est. C'est un peu voulu aussi le fait que le moment où le joueur il dit. Qu'est-ce qui vaut le mieux, c'est, bon là, bon, déjà il y a beaucoup de choix qui sont un peu compliqués dans le jeu, mais là c'est le choix un peu ultime, c'est est-ce que avec est-ce que je meurs maintenant ou plus tard. Non c'est même pire que ça, c'est est-ce tout que de suite. Est-ce que j'essaye de je me dis bon ben en poussant et en tombant sur la bonne combinaison parce que les planètes s'alignent bien dans l'univers, je vais pouvoir déglinguer ces bêtes. Ou est-ce que je recommence maintenant et je me crée un inventaire de pièces qui va bien déchirer au moment où je vais arriver à ce niveau-là, sur lequel je suis arrivé sans expérience, et que du coup je vais me dire bon ben là je sais très bien qu'est-ce qu'il va me falloir à peu près comme pièce, donc je vais réfléchir à l'avance
comment conserver à peu près telle et telle pièce de tel type pour avancer quoi. Mais bah, c'est vrai que puis pour le coup ouais. Enfin je sais pas comment dire mais c'est vrai que les enfin quand t'as peu d'heures de jeu en tout cas c'est vrai que tu t'as du mal à t'imaginer bah tiens je vais je sais pas moi je vais garder de côté deux modules de glace pour plus tard et puis Ah oui, carrément, oui. C'est voulu. C'est clair. Il y a des fois où j'ai fait des plays où je me suis dit, le prochain combat, je meurs, mais au moins, je finis celui-là. C'est quoi bah, c'est comme le vélo, c'est pas tu te dis, je monte sur le vélo, waouh, ça passe tranquille. C'est progressant, tu te dis, bon, attends, je vais d'abord mettre des petits trous pour m'habituer. Après, je les enlève. Après, j'y vais. Ce genre de choses, mais ça c'est je trouve c'est un peu un incontournable des jeux de stratégie, c'est il faut quand même un certain minimum d'heures pour appréhender le on va dire l'aspect concret la stratégie voulue par le jeu. Après c'est tu peux moduler ta sauce, c'est ça qui est bien. Ça c'est pas tu dis le jeu dit tu vas passer comme ça, mais si tu dis non moi je passe comme ça, bah, ça peut le faire. Et puis pour continuer sur ta métaphore avec le vélo là, en général ce qui se passe c'est que tu enlèves les roulettes, tu commences à pédaler, t'es trop fou là, et d'un coup tu dis alors que tu viens ils de me font t'as, les pires attaques. T'as pédalé sur 10 mètres et tu dis bon ben je vais me taper la grosse pente de l'enfer là, je vais la descendre à fond en lâchant les bras du guidon. Et du coup tu vas, tu prends le premier platane et tu te relèves, tu te dis bon ben les roulettes c'est bien quand même, du coup tu les remets sur le vélo. Je vais revenir sur un tricycle. C'est ça. Enfin voilà quoi, du coup je vais faire ta métaphore. Merci. On a une nouvelle blague de Dead Fraud. C'est un informaticien qui se retrouve face à un problème avec son PC. Je fais des bisous au stream. N'oubliez pas. Tard, mais je vais arrêter aussi. Son collègue ajoute ah tu rames. Ouais, c'est. Attention, les gens. J'ai pas envie de faire ce combat où il y a que des mecs méchants. Ah, bah, t'as croisé des mecs gentils. Non, mais là, je suis le combat 38, ils sont 12. Hein. Ça, c'est le 38. Ouais, c'est bon, le 33, il m'a dit tu vas rester là, petit, hein, on va voir après. Ouais, voilà, en tout cas, comme découvert, c'est assez fun. Hein. Limite, j'ai été surpris qu'on. Avant de quitter, n'oubliez pas de mettre un avis positif quand même. Parce que ouais, si vous avez bien aimé. Ça reste un bon jeu. N'hésitez pas à passer sur le Steam. Le Greenlight. Voilà. Du coup, je vais juste remettre ça sur le chat. On va vous laisser là. Mais j'ai été surpris, limite, que quand on meurt, je pensais qu'on reprenait au début. Enfin, qu'il n'y avait pas de vie en fait. Oui, c'est. Je pensais ça, genre. Je me serais attendu que ce soit un peu un. Non, non, ça serait trop infâme, quoi. Bah, à la limite, ce serait peut-être moins, je sais pas. Moins difficile que de recommencer avec... Mais en fait, le truc, c'est que tu peux toujours choisir de dire si je meurs, je recommence au début. Là, ça laisse la possibilité aussi de continuer, quoi. Oui. Tu pourrais aussi, je sais pas, mourir et reculer que d'un niveau, et le niveau auquel tu recules, il y a deux fois moins d'ennemis que prévu initialement. Ce qui permet de faire un petit... possiblement, ça reste un niveau un peu dur qui t'inflige des dégâts, mais tu peux t'en sortir avec pas mal de pièces encore en réserve pour le niveau d'après où t'as galéré. Enfin, le moment où t'arrives dans le niveau d'après, et où tu trouves des pièces, et où t'es content parce que ça te permet de te réparer. Du coup, ça ne sert absolument à rien. Qui a eu toutes ses pièces à dropper. Ouais, c'est ça. Ah, bah, je vais arrêter également mon stream. Mon côté, bah, les gens sur mon chat et également sur les autres streams, hein, je vous dis bonne soirée, des bisous. Et puis, bah voilà, un Pharmacon. Hein. Salut. Le jeu est sympa. Voilà, c'était mon avis final. Ouais, pareil. Mais y a des gens qui se font répilant par ici. Hein. Je pense qu'ils sont encore partis. Enfin, il y a Death Rod qui fait des blagues encore. Mais
Mais merci du coup d'avoir fait ce petit stream, c'était cool. Ah, puis, ouais. Puis moi, avec le truc du Greenlight, je pensais que c'était un jeu genre. Avec une petite histoire du coup, mais. Donc, bah, c'est le cas, mais. Plutôt du genre. Enfin, avec des paliers de difficulté, mais genre. Comment expliquer? Mais genre constant, tu vois, enfin pas vraiment. Là c'est vraiment une courbe de plus en plus haute et au bout d'un moment t'es obligé de mourir à chaque combat comme je disais. Donc, et bah c'est sympa, je m'attendais pas à ça, c'est. Enfin. C'est plutôt dans le positif ou le négatif que tu t'attendais pas à ça? Ah non, bah positif, parce qu'au final moi je pensais que genre. Enfin là en gros si je veux continuer. Enfin, admettons, si j'avais fait 30 combats aujourd'hui en 3 heures, je pensais que si je refaisais un stream plus tard, genre en 3 heures, j'aurais pu faire 30 niveaux, les 30 niveaux d'après, tu vois. Alors qu'en fait, ça va pas du tout être ça, ça va être je vais faire 4 niveaux. Oui. Ouais, la difficulté, ça monte vite, quoi. Enfin, ça monte pas très vite, mais ça finit haut, en tout cas. C'est sûr. Oui, après, le jeu, il est quand même assez court, donc. Et puis. En gros, j'ai calibré aussi avec mon expérience de jeu pour que ce soit toujours marrant, quoi. Enfin, marrant. Je sais pas si c'est le bon mot. Tu faisais ton jeu en même temps que tu jouais, et puis tu disais j'aimerais bien avoir plus d'ennemis, parce que bon, ça devient trop facile. C'est ça. Bon, en même temps, je vais avoir 1000 parties dans les mains, on va dire. Ouais, mais du coup, quand même, ça c'est assez risqué, parce que t'imagines que si ça se trouve, nous. Si on n'arrive pas à finir le jeu au bout de 50 heures, par exemple, ça serait bien un peu. Non, vous arriverez avant, là, c'est. Si vous. Je pense que si vous relancez tous une game depuis le début, vous le finissez le jeu. Mais. Je sais pas. Ça change à ce point-là, tu le crois? Enfin, je pense. Ben, y a t'as l'impression. Je pense, ouais. Ou alors peut-être en deux games, mais. Je pense franchement que déjà est-ce que vous avez réussi à atteindre en y allant un peu parfois YOLO et en parfois vous rendre compte que certains trucs peuvent vous aider à améliorer votre stratégie. Vous êtes rendu compte de certaines choses assez tard, mais en même temps pas si tard. Bon allez, je quitte le stream sur ce décès. Salut à tous. Comprendre ces choses-là après avoir arrêté le jeu et repris.